et de l'accessibilité qu'on peut se permettre. Tac, voilà, je me mets dans la scène pour préparer le raid. Je ne suis pas, comme je suis sur PC justement. Twitch, Je suis en train de Twitch. me dire, mais pourquoi j'ai la webcam qui a lâché l'affaire? J'avais la webcam qui répondait plus présent, je comprenais plus. Alors, moi de mon côté, je vais lancer Stardew Valley, que je n'ai plus dans mes choix, mince. Voilà. Hop là, moi je lance Stardew Valley de mon côté. Alors pardon, je vais me permettre de couper voilà, le lien audio que j'ai avec toi. J'aurai plaisir de te retrouver dans, tout à l'heure pour les bibis, d'ici 1h30, 2h. Pas de souci. À tout à l'heure, fun fan. N'hésite pas à te restaurer À tout à d'ailleurs, l'heure. si tu veux par avance. À tout à l'heure, fun fan. Ouais, c'était bien le Sanitarium chez Fun Fan, c'était. Waouh, je suis content que Fun Fan l'ait fini. Il a très très bien géré. Ah, ça y est, le jeu commence à se charger. Et je vais vous mettre l'écran de jeu et on va suivre les aventures de Samantha, c'est le J'hésitais entre le faire aujourd'hui et le faire demain. Mais n'oublie pas que demain j'ai besoin de retrouver Dainé pour commenter la promenade. Alors, voilà, je trouve que c'est opportun que je continue Stardew Valley maintenant. Et puis je suis motivé, c'est sympa. Il y a un côté féerique, fleur bleue de Stardew Valley qui est extra. Merci FunFan pour ton relais de chaîne. Je vois plus mon propre chat. Elle ne plus, faites-vous jouer. La ferme paradis. Heureux, fun fan, merci. Non, non, très bien le sanitarium. Ah, c'est. Ah là 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 là. Ah, je le joue à la manette, à chaque fois je me Et plante. c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'oublie que je joue à la manette à Stardew Valley. Je sais pas pourquoi à chaque fois je me persuade que je dois le faire avec le clavier. Et non, 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 c'est à la manette. Alors, attendez, j'ai certaines cases qui sont déjà humidifiées parce que j'ai mis de l'imperméabilisant. J'ai la propriété de rétention légère en ayant broyé du rocher en fait. Ce qui me fait gagner un temps précieux à l'arrosage. J'ai pas arrosé toutes les parcelles. Et c'est vraiment apprécié. Je crois que j'ai une chance sur 4, si j'ai pas de bêtises, j'ai 25% de. Ah, le houblon! Souvenez-vous, le houblon, il fallait que je le fasse macérer en bière, là, que je. Je crois que c'est un tonneau qu'il faut que je fasse. Je parlais d'une distillerie, mais j'avais vu dans le. Dans le. L'établi, l'atelier, que je devais faire un tonneau de fermentation, en fait. Alors là, avec le sapin, je vois même pas si ma portion de terre est arrosée ou pas. Ma portion de parcelle, devrais-je dire. Oula, j'ai récolté un radis. Je m'y attendais pas, je me suis laissé surprendre. Ok.
Donc là. Oui, on est à la moitié du... Oui, on est en été dans Stardew Valley. On est, voilà, à la moitié du... de l'été. On est à la troisième semaine sur les quatre de l'été. Donc, normalement, là, je fais fructifier mes récoltes. On est d'accord que ça, c'est arrosé. Oui, le pauvre chien, le dénommé Zeus, il faut que je lui donne de la flotte dans sa gamelle. Faut pas que je mette... Voilà, ce paramètre, le pauvre. Faut pas que je le maltraite. Mince, je vais pas avoir de place pour les champignons. Oui, surtout qu'il y en a deux sortes et j'ai plus qu'une place d'inventaire. Oui, avec 2000, il faudrait que j'essaye d'acheter l'extension de sac. J'ai juste l'argent qu'il faut pour acheter l'extension de sac. Ce serait pertinent que je l'achète maintenant. Attendez, je vais garder les radis. Je vais garder le houblon. Vite, il est 10h, je vais faire ça. Intérêt stratégique, je vais me ruer dans la boutique de pierre au milieu du village et je vais acheter la deuxième rangée d'inventaire. Là, j'en ai qu'une et c'est trop limité. Je pense que je vais être optimal à avoir deux rangées de sac à dos. Je pense qu'il y a un meilleur sac à dos derrière, voire plusieurs. Enfin, je pense pas qu'il y ait 5 rangées d'inventaire possible, faut pas déconner non plus. Mais... Salut toi! Abigail, mon cochon d'Inde David déteste ce temps chaud, il est un peu tatillon. Bonjour toi. Non, c'est pas tes graines que je veux, la première fois je veux ton sac à dos. Oui, 24 emplacements. Ouais! Vous avez grand sac, votre inventaire dispose maintenant de 24 emplacements et non plus 12. Alors je sais pas comment je peux le voir. Ah, j'ai trouvé, c'est à la gâchette que je passe d'une ligne à l'autre. Ah, oh, c'est mieux! Ah, mais là, ça va être stratégiquement, c'est tout bénef. Ah là là, en plus vous imaginez la cueillette, j'ai envie de dire, elle est quasiment limitée quoi. Je peux enchaîner l'extérieur, la surface on va dire des champs de la ville, plus mes trucs de la ferme, plus par exemple quand je vais dans la mine, les cailloux, les diadèmes, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est le choix pertinent d'aujourd'hui, de la partie, c'est inventaire double. Oh génial! Et de toute façon, des sous-sous, je vais m'en faire, là, parce que là, la récolte est à venir. Il est bien de se caler à l'escalier. Ça y est, il s'est réveillé, il veut se dégourdir les jambes, il a raison. Je vais récolter les champignons, et ensuite, je vais faire les tonneaux de macération de bière. Il faut absolument que je fasse de la bière, de la mousse. En plus, c'est une de mes quêtes. Il y a Pam, oserais-je dire, la polchtronne du village. Qui veut que je fasse de la mousse artisanale. Ah, j'ai les blés à récolter en fauchant. Voilà, un petit peu de blé. De la paille. Ouais, je vais garder aussi. C'est comme si c'est juste des échantillons uniques. Au niveau des graines au hasard que j'ai eues. Je les ai gardées, on sait jamais. En plus, ça doit être des quêtes peut-être de la... Non, visiblement, non, c'est pas des quêtes. Enfin bref, de la maison communale. Artisanat, il faut que je fasse des tonneaux, je crois. Je me souviens de tonneaux pour faire macérer le houblon. Non, bocal, c'est des légumes en cornichons, les fruits en confiture, c'est pas ça. Ou alors c'est Olive qui m'avait... Non, je me trompe. C'est Olive qui m'avait donné l'astuce et je sais pas encore les faire. Je sais plus qui. Je crois que c'est Olive qui m'avait donné l'astuce, mais je peux pas le faire. En fait, faut que je fasse un tonneau. Mais je peux pas encore le faire. Comment on le déverrouille, je sais pas. Ou alors, vous m'aviez donné l'astuce et j'ai retenu qu'à moitié. Désolé. Mince, je peux pas encore faire de la bière maintenant. C'est plus tard que j'étais en capacité de le faire. Ah ! Merdoum. Donc faut que je conserve mon houblon, mais je peux pas le faire fructifier maintenant. Parce que là, c'est presque à fromage, là, c'est la mayo. Il y a Petit Seb qui serait intéressé de me rejoindre en multijoueur, donc il faut que j'achète une maison. Une maison d'accueil, on va dire, de multijoueur. Il faut que j'aille, je crois, chez Robin. Robin, c'est la menuisière, l'architecte du patelin. Merdoum. Alors, il faut peut-être que je fasse des seigneurs pour les arbres récoltés, la sève sous différentes formes, dont du...
du... Oh, je sais plus. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait des lingots de métaux? Bah ça c'est... Ah non, c'est... attends, c'est quoi ça? C'est un tonneau de quoi que j'ai? Je sais plus. Ah non, c'est un tonneau bocal, voilà, c'est pour transformer des trucs en... Ok. Donc, voilà, c'est là. Bah tiens, il me fallait deux lingots, donc ça tombe bien. Et je vais pouvoir en provoquer, voilà, la cuisson d'autres. Voilà. À partir de là, je peux faire quoi? Je sais plus. Pardon, je voulais plus dans le chat. Non, ça va, personne ne me dit rien. Voilà, je vais faire un seigneur si j'ai du bois et un arbre, en fait. Faut que je trouve un arbre avec du bois. Où est-ce que j'ai mis ma collecte de bois? Ah, attendez, j'ai des trucs qui se répètent. J'ai pas optimisé mon stockage. C'est à l'intérieur que je dois avoir mon bois. Voilà! C'est là. Donc, je fais ça. Je fais, hop, le menu. Je fais, voilà, un premier seigneur. Seigneur que je vais déposer dans je sais pas quel arbre. Alors, si c'est un érable, j'aurai du sirop d'érable. Oui, mais attends, mais je peux pas l'atteindre parce que j'ai mon épouvantail. C'est un peu débile, mon truc. Merdoum, en fait, mon arbre, il est vachement mal placé. Ah, merdoum! Attendez, je suis obligé de courir dans ma propre propriété pour me prendre conscience de... Ah, alors là j'en ai plusieurs à abattre je pense. Je vais pas tous les garder mais... comment je distingue moi en fait ceux que je mets en... Bon je vais voir quel seigneur mais... je prends le sapin là pour ça. Ah, j'ai peut-être mal géré et mal anticipé mon... Bah lui il est au bord de l'eau. Allez, je vais mettre lui. Je vais garder au bord de l'eau, en fait, les... Je pense que c'est plus pertinent de faire comme ça. De mettre les arbres que je vais saigner, littéralement, donc, techniquement, en récolter la sève. Je vais les planter le long du point d'eau. Ça m'évitera d'être dans la confusion et ça me laissera la liberté de pouvoir abattre les autres. Pour en récolter le gain, voilà, les graines et le bois. Voilà, là, il me reste un peu d'énergie, bah, je vais faire mon bûcheron. Je fais... Oh, les papillons, c'est trop mignon. Ah, là, 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 là. Bébé. Ah oui, j'avais une astuce fort pertinente. Je me dopais aux champignons marrons. Souvenez-vous de l'épisode précédent. Le coup de la mine, j'avais un bon rythme. Je me dopais aux champignons marrons et ça me permettait de restaurer mon énergie. C'était sacrément bien rodé en fait. Voilà, ceux-là, les chanterelles, je crois. Ou était-ce ceux-là? Ah, c'était peut-être pas les chanterelles, en fait. Attendez. J'ai rangé à différents endroits mes champignons, donc c'est pas clair. Non, les chanterelles sont trop rares. C'est des champignons communs qui me permettaient de me doper. Re, cousin. Ouais, j'espère que tout va très bien pour toi. Bah, du coup, t'es officiellement en week-end. C'est bien, cousin. Profite. À cette heure-ci, t'as fermé la boutique. Oh là 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 là. Si je devais faire la saignée d'un autre arbre.
Donc si je m'en tiens à mon principe, il faut que je plante un arbre d'un autre type. Ah bah celui-là, il est pas mal. Ah bah tiens, c'en est un autre lui. Mais c'est du même type. Il faudrait presque que je garde l'arbre là en fait. Bon, il n'est pas collé au... Ouais, c'est peut-être pas malin. Non, c'est peut-être pas malin. Je vais l'abattre pour leur planter, leur faire pousser. Tant pis, je ferai un saignement de... Quand il sera à nouveau adulte, mais au bon endroit. Oui, pardon, il faut que je mange mon... Comment je fais? Mince. Ah, comment je fais pour... Voilà, il fallait que je me sépare du tronc. Parce qu'en fait, Samantha cherchait à secouer le tronc. Ce qui n'a aucun intérêt une fois que l'arbre est coupé. Il n'y a rien qui peut dégringoler de l'arbre. Soyons logiques. C'était un gland, donc c'était un chêne. Alors, je bascule. Voilà, avec le nouvel inventaire auquel j'ai accès, je vais planter mon chêne là. Ce sera beaucoup plus logique. J'ai encore du mal avec mon nouvel inventaire. Je vais y arriver. Là, je vais faucher les herbes parce qu'il ne faut pas que la mauvaise herbe s'étende dans mon territoire. Allez, je coupe celui-là, mais je vais être épuisé. Je ne pourrais plus rien faire derrière. Est-ce que j'aurais quelque chose à faire chez moi dans la soirée? Wow! Il n'est pas 20h, j'ai déjà un agresseur. Je crois que c'était qu'il y a 20h que les monstres arrivaient. Ah, je m'attendais pas à me faire agresser avant 20h, là. Ça me... Je suis choqué. Bon, ça va, ils ne me prennent pas beaucoup de points de vie, mais... Oh là là, les monstres arrivent vite, hein. Mazette. Alors, attendez. Bulletin météo, demain... Clair et ensoleillé, donc ça veut dire arrosage à gogo. Je vais ranger mon gain de la journée... Je sais pas... oui, non, c'était de mon coffre, visiblement. Ouais, c'est pas... Ouais, je vais garder les champignons là sur moi, en fait, parce que ça me permet de me doper. Ah oui, mince, j'ai plus de place. Non, ça, c'est normal, c'est le coffre lié à la mer. Bon, tant pis, ça, c'est un bonus. Non, machin. Il y a peut-être une recette de cuisine que j'avais pas. Oui, vivre à la ferme. Vous regardez, vivre à la ferme, sommes au retour avec une nouvelle astuce, écoutez bien. Existe-t-il un spa dans votre village? Oui, on l'avait découvert dernièrement. Détendez-vous et relaxez-vous dans les vapeurs chaudes pour retrouver votre énergie. Ah, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ouais, mais il faut accéder, il faut se préparer, il y a quand même l'horloge qui tourne. Il y a... Bon. Mais c'est vrai, c'est une astuce pour récupérer... En fait, on investit du temps à se restaurer l'énergie. Faut le voir comme ça. S'il n'y a pas un véritable coût monétaire à accéder au spa. Oh, j'ai du courrier. Bonjour Samantha. Oh, c'est mignon, j'ai lu un article qui parlait de toi dans le journal local. Je suis tellement impressionné par tes progrès à la ferme. Continue comme ça et ton vieux papa pourra bientôt prendre sa retraite dans un bungalow de luxe aux îles Fern. Je t'aime, tu y es papa. C'est rigolo et c'est mignon à la fois. Excellent. Oula, tous mes pieds de houblon n'ont pas donné. Ça a été aléatoire là. Ah bah c'est moi qui ai mal arrosé ou Ah merde. C'est peut-être moi qui ai mal arrosé. Ah c'est ballot. Bon bah bien fait pour ma tronche. Alors. Donc là la matinée va être consacrée à l'arrosage. Je peux rien faire d'autre et vous voyez que je suis extrêmement maladroit parce que je suis pas fichu d'arroser la bonne parcelle. C'est pas évident à la manette. Je pense que c'est pas évident tout court. Au clavier ce serait pas mieux d'ailleurs. Permettez-moi d'en douter. La musique est extra dans Stardew Valley. Ah. Oups, mince, j'arrose l'épouvantail. N'importe quoi moi. Oh. Ah merde, j'ai plus d'eau. Faut que je file au point d'eau, faire le plein de rasoir et bon. Plus tard aussi, il faudra que j'essaye d'optimiser mon arrosoir. Je sais plus qui propose l'optimisation. J'avais vu qu'il y avait un arrosoir vert et rouge, je crois, à acheter. J'ai la mémoire de ça. J'ai dû voir quelque part dans un commerçant de la ville du patelin, mais je sais plus qui c'est. Je me demande si c'est pas le forgeron. Hop là. Merdoum. J'arrive pas à rester droit, hein. C'est terrible.
Eh bien. Je crois que pour l'arrosage de mes parcelles, c'est bon. Mais le côté répétitif, cyclique, est un peu gavant quand même à la longue. Mais bon, ça fait partie intégrante du jeu. Alors je redonne de la flotte à la game du chien. Alors peut-être que j'essaye d'investir, dans, je vois pas comment, dans les arroseurs automatiques. Alors le problème des arroseurs automatiques, d'une, déjà, il faudra que je reconfigure mes champs. Parce que l'arroseur automatique aura une position centrale. Et de deux, ça coûte cher. On avait vu la recette des arroseurs automatiques. Ça coûte une blinde en métaux précieux raffinés, c'est-à-dire des lingots. Là, pour le moment, je ne fais que des lingots de cuivre. Il faudrait que j'aie le temps, justement, d'aller davantage dans la mine pour récolter plus de ressources minérales. Mais le temps, je l'ai seulement, entre guillemets, quand j'ai des journées de pluie. C'est-à-dire que le ciel assure mon arrosage. Et là, je peux partir à l'aventure. C'est bien pensé dans la mécanique du jeu. C'est pas évident. C'est pas évident. Là, c'est un luxe que je peux pas m'offrir puisque je suis coincé par une journée ensoleillée qui m'oblige d'arroser moi-même manuellement mes champs. Voilà, là, ma matinée est quasiment passée et mon énergie intégralement est presque passée. Là, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Bonne question. C'est ma deuxième journée de la semaine, il est mardi dans le jeu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars à l'aventure à la cueillette? Et à la... je suis du social, je vais voir les gens. Je peux essayer de leur offrir des trucs, c'est pas idiot. Oh, je sais pas si offrir des poissons, ça va plaire. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'offre aux habitants? En fait, faut essayer. J'offre des baies de saumon. Eh non, attendez, les baies de saumon, je vais les mettre dans le bol, là, dans le truc. Ça va me faire des confitures, normalement. Ça devrait valoir une fortune, après. Du moins, j'espère. J'espère que je vais pas être trop déçu. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. J'ai combien en fric? Non, j'ai rien. Je vais pas faire les géodes. J'ai même pas le moyen de payer de forgeron à ce qu'il me les ouvre. Donc, les géodes, c'est pas pour maintenant. Mon coffre noir, c'est le plus rempli. J'ai quoi? Bah, j'ai encore des géodes. Bah, tout n'est pas... C'est un bazar organisé. Comment je rentabilise ma journée? Je crois que je vais faire de la cueillette, du social, des cadeaux, je sais pas comment. Vous voyez, il y a des objets, il faut que je les dépose dans la maison communale. Là, je pense pas. Ah, ça, c'est à mettre... raisin, j'en ai pris du raisin. Mais j'ai déjà pris une baie épicée. La morue, il faut que je dépose... Je vais prendre les perrouillés, mais je pense pas que j'ai le temps de descendre à la mine. Je pense pas que j'aurai le temps. Il y a le coût du bois. Je peux investir à un mort du bois. À un moment, il faut en déposer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le raisin. Non, le raisin, j'en ai déjà pris un exemplaire. J'ai rien d'autre, visiblement. Mais si je dépose déjà ça dans le... J'ai déjà fait aujourd'hui les champignons, je sais plus. Et je vais filer à la maison communale déjà déposer ce que je peux faire entre guillemets en offrande. Oui, j'avais déjà fait les champignons, vous voyez, j'avais même pu mémoriser. Donc je me barre là-bas. Ah, lapinou, on l'a vu courir dans le buisson, c'est trop mimi. Je me lasse pas de cette musique de l'accordéoniste en folie. Je suis pas sûr d'avoir pris le bon chemin, moi.
pour la maison communale. C'était pas plus bas qu'elle était. Je crois que je me suis planté. Oh, salut toi. Tiens, je vais t'offrir un champignon. C'est un cadeau formidable, merci. Je suis sûr que c'est lui qui va devenir mon premier vrai copain, en fait. C'est le marginal, là, si je puis dire. Linus. Parce que je le croise souvent et il boude pas les cadeaux. C'est rare qu'il fasse sa tronche, je trouve. Je trouve, hein, je peux me tromper, mais... Il est pas difficile, en fait, comme garçon. Lave-la, la maison communale. Et c'était la pièce au fond, à gauche, celle qui est en moquette Twitch. Voilà, c'est celle-là. Je me souviens de ça. Alors, le bois, voilà, il en fallait encore pas mal. Ça y est, c'est fait. J'ai fait l'offrande de bois. Enfin, j'ai pas le bois noble, mais ça viendra plus tard, je pense. Alors, cueillette d'automne, j'ai quoi ? Ah non, c'est pas le raisin, merde, je confonds. Non, j'ai pas la cueillette d'automne. Mais non, on va y arriver qu'après. On est en été, là. Là, j'ai la cueillette exotique. Ah, je peux déposer de la morille. J'aurai des résidus de... Le fait de saigner les arbres. Bah, ça viendra tout doucement. Tout doucement, ça viendra plus tard. Ce sera bien. Cueillette d'été. Ah, le raisin et le truc épicé, là. La baie épicée. Voilà. Donc c'est bien, la cueillette d'été. D'été. Je vais l'avaler d'un. Ah, ça fait une jolie fleur et j'ai un cadeau. Des graines d'été. Oh, cool. J'en ai une trentaine. Ah ouais, mais c'est un peu tard pour les planter. Ah, je suis à une semaine et demie de la fin de la saison. Est-ce que ça vaut le coup de les planter? Je suis pas sûr. Je vais peut-être prendre le risque de les garder pour l'été suivant. Je pense que je vais... Ah, j'hésite. J'hésite vraiment. En plus, ça me ferait arroser encore davantage. Donc non. Ah, il y a une animation. Oh! Merdoum, j'ai dévoyé d'autres... Ah, ça va être un festival. Ne me dis pas qu'il va en mettre un dans chaque pièce. Non, ça va, il s'est calmé. Mais il n'est pas dit qu'il y en ait d'autres. C'est quoi ça? Le cellier? Récompense une serre? Oh, c'est énorme! Alors attendez, récolte de printemps. Bah, c'est trop tard, on est en été. Oh là là, il y a trop de trucs. Artisan. Je crois que j'ai aucun... Ah, attendez, c'est pas un pot de confiture, là, qu'on a? De la gelée. C'est peut-être que je vais obtenir, là, en ayant mis les murs sauvages dans le pot, là, macéré. Après... Oh non, c'est dégueulasse. Ça, je suis sûr que c'est tous les arbres. Il faut acheter tous les arbres et il faut avoir toutes les récoltes. Enfin, c'est pas une obligation. Il y a 12 trucs et il y a 6 emplacements. Donc, il y a toujours un choix. Paquet animal, il y a quoi? Grosse quantité de lait. Oh ouais, non, mais là, il faut un élevage animal. Là. Ah ouais, non, mais là, c'est que des... Ouais, c'est vraiment que des produits issus d'animaux. L'automne, on va y arriver. Il y aura des trucs. Maïs, cucurbitacé, ouais, d'accord. Artisan, on a vu. Ouais. Printemps, ouais. L'été. J'ai rien de tout ça. C'est quoi? Tomate, piment, myrtille, melon. C'est génial, c'est toutes les graines que j'ai pas faites. Ce sera l'été prochain. Récolte de qualité. Oh la vache! C'est 5 trucs, mais de qualité or, le max. Le panais, le melon, la citrouille et le maïs. Oh! Eh ben, on n'est pas prêt d'avoir la serre, hein, je vous le dis, moi. Ok, la suite c'est quoi? Waouh, l'aquarium. L'aquarium rocher scintillant détruit. Rocher scintillant détruit. Alors je sais pas qu'est-ce que le rocher scintillant détruit. Oh là là, il faut faire les poissons. Les poissons de rivière, le poisson de lune, le poisson chat, la lose, la truite tigrée. Oh, laissez tomber. C'est tous les produits de la mer. Waouh!
Alors, le jeu nous avait expliqué à la télévision, là, avec les conseils de Miss je sais plus qui, que les poissons se récoltent à des endroits différents, à des météos différentes, à des moments différents de la journée. C'est trois facteurs à prendre en compte pour la pêche. Eh ben, on n'a pas fini. C'est énorme. Le jeu est excellemment bien pensé. Mais... Wouh ! Bon, bah, Stardew Valley, je le finis officiellement en l'an 2030. Wow ! Démétrius, qu'est-ce qui vient ? N'oublie pas d'arroser tes plantes tous les jours. Oui, je ne le sais que trop bien, mon pauvre. Tiens, je vais t'offrir un champignon, mais je crois que je t'en avais déjà offert, hein, je me trompe. Non, pas manger, offrir. C'est très gentil de ta part. Ah, il a apprécié le cadeau. Oui, je me réserve le plaisir d'en manger éventuellement si j'ai besoin de retrouver de l'énergie. J'avais dit quoi? Que je descendrais peut-être à la mine. Écoutez, je vais aller à la mine. Parce que rien d'autre m'inspire pour vous boucler ma journée. On est mardi, faut pas que j'y reste trop longtemps. Je vais peut-être refaire les premiers niveaux histoire d'avoir du caillou et de l'imperméabilisant en fait. Oh, sympa, du minerai de cuivre. Bonne pioche là, du coup, justement. La mine était en haut. Je me souviens que c'est en haut. Voilà, c'est là. Je vais pas continuer là où j'étais descendu parce que pas le temps et pas. Ouais, niveau 0, je vais descendre par l'échelle. Et puis, je vais essayer de jouer de bol, en fait. Ça va me faire de la pierre. La pierre qui est une offrande, d'ailleurs, dans la maison communale. Les cailloux, faut que je les récolte. Ah oui, alors là il faut que je mange un champignon, sinon je vais mal finir. Enfin, je vais être en PLS, mais vraiment dans le mal. Non, c'est l'autre champignon, c'était la chanterelle qui me donne plus d'énergie. Là, je m'en bouffe plein, je vais pas récupérer beaucoup d'énergie. Encore que je gère avec davantage de justesse, vous l'aurez remarqué, mon énergie. On va dire que grand maximum, je reste jusqu'à 20h dans la mine. Parce qu'il faut absolument que je rentre pour bah, bien dormir, quoi. Pas que j'ai une nuit courte de sommeil. Ça, je pouvais les péter, je crois. Oui, hein. C'est une exception, contrairement à la surface. Des gros rochers là, je donne 10 coups de pioche et j'ai 10 pierres. Voilà, ce qui m'arrange bien. Des pierres, j'en ai... Oh, j'en ai déjà 50. Ah, il y a une caisse de matos. Bien. Ah, le gain est intéressant. Merde, je tape dans le vide. Le gain est intéressant. Ah, puis là, il y a les premiers ennemis. Attendez. Il faut que je parte au combat, là. Merde, j'étais englué, donc je suis plus lent. Je suis plus lent, mais je me défends. Merde, je suis pas dans le bon sens. Génial, j'arrive pas à le toucher. Voilà, je l'ai eu. Je suis englué, mais je l'ai eu, c'est l'essentiel. Attention, faut que je regarde l'heure du jeu. Que je me fasse pas avoir. Voilà, il me dit que je commence à être épuisé. Oui, c'est bien, je récupère ma santé en même temps, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est tout l'avantage de croquer un morceau en plus. Il n'y a pas que l'énergie, il y a la santé aussi qui est restaurée. Ça se tient, ça se tient. Là, j'ai un cadeau de la géologie. Oh, il faut pas que j'oublie de péter les caisses. Ouais, carte des cavernes, c'est sympa ça. Ah, peut-être que j'en conserve quelques-unes. Je crois que c'était un... Pareil, une offrande à faire dans la maison communale, les cartes des cavernes.
J'ai souvenir de l'avoir vu, ça me parle. Enfin, rien n'est perdu, rien ne se jette dans Stardew Valley normalement. Je dis bien normalement. Même les déchets là qu'on récolte, les journaux, les paires de lunettes pétées, ou même les algues qu'on pêche. Je devine qu'on en fait quelque chose. Peut-être du... Comment ça s'appelle? Du compost. Un truc dans ce genre-là. Encore que du compost à partir d'une paire de lunettes, ça va être un peu dur. Mais je sais pas, il y a peut-être un truc de recyclage. Que je maîtrise pas encore, mais ça viendra. Ouais, allez, je vais me barrer de la mine. Je vais me barrer de la mine parce que... Parce que mon gain est pas mal du tout. Oh, 85 pierres. Je suis pas loin des 100 pierres hein, qui étaient demandées, je crois, dans la maison communale. Un prochain passage, je ferai une offrande de pierres. Une offrande de cailloux. Parce que c'est ça qui est bon. Alors, je vais peut-être garder mon épée en main. Pour la bonne et simple raison que, vu l'heure, on a vu que j'ai les monstres qui apparaissent chez moi dès 19h30. Je trouve que le jeu est méchant à ce niveau-là. Je m'attendais pas à ce que les monstres apparaissent aussi vite. Alors c'est une grosse contrainte à un début de partie, mais ça va être un avantage sur la fin, je pense. Une fois que je serai... Quand Samantha va gagner en puissance, elle va être assez pétée au niveau combat, voilà. Tous les bestioles là, qui se trimballent de nuit, je vais me faire une joie de les patater et ça va m'apporter du matos. Ça va m'apporter du matos. C'est tellement précieux les graines que j'ai gagnées qu'il va falloir que je les distingue, que je les mette je sais pas où. Je mélange tout et n'importe quoi, moi. Il faut que je trie mes... Il va falloir que je trie mon bazar, là. Ça va pas du tout. Regardez, j'ai même plus de pièces pour... de place pour ranger les roches. Oh là 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 là. Je vais regrouper déjà les géodes. Je vois très bien que j'ai des géodes dans les deux coffres. Ça n'a aucun sens de les séparer. Voilà. Là, déjà, il y a quelque chose de plus cohérent. Oh, les graines, je serais presque tenté de les mettre dans le coffre vert à l'extérieur. Météo, demain... Orage! Ouais! Donc, demain, on va aller à la mine. Ah, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Ça me m'arrange énormément. C'est énormissime. J'ai une récolte de sunflowers. De tournesol, pardon. J'avais le mot anglais qui me venait en tête en premier. J'ai une récolte à faire. Alors attendez, je prends mon outil parce que si je fais des bêtises. Voilà, et que je défonce tout, ce serait malheureux. Parce que j'avais déjà saboté précédemment ma récolte. Souvenez-vous, j'avais pris un mauvais outil, j'avais frappé le végétal et je l'avais bousillé au lieu de le récolter. Ce qui est une totalement contre-productif. Ah mais c'est ça les piments! Je reconnais même plus les végétaux que j'ai plantés. En fait, je vais pouvoir honorer la quête piment fort de la maison communale. Oh, magnifique! Je me démerde pas si mal que ça, en fait. C'est beau! Oui, voilà, de l'intérêt d'avoir un grand sac, vous voyez. Ça m'évite de faire des allers-retours au niveau des coffres et des, on va dire, des contenants de manière générale. Ah oui, magnifique. Alors, je vais vider mes poches. Je sais, c'est moche. Tant pis, c'est le boxon. C'est... Attendez, le tournesol... Ah, je vais peut-être en garder un peu. Alors, je vais peut-être garder ceux qui... Non, attendez. Je vais garder les tournesols qui sont en qualité or. Pareil pour les piments. Et les autres de qualité inférieure, je vais les... Ah, 8 jours. Non, mais je vais les replanter. 8 jours, je vais les replanter. Et je vais vendre le reste, en fait. Donc, quand même que j'ai un gain.
Ouais, c'est tout bénef, parce que le mercredi machin. Oui, je pourrais encore récolter des tournesols, en faire une dernière fois avant la fin de l'été. Ça se tient. Parce que dans le jeu, si je fais le calcul, je vais encore vivre 10 jours en été. Et comme il en faut 7-8 seulement pour le. Les tournesols, c'est très bien. Très très bien. Alors attendez, ça je le vends, Le gain en fin de journée va être très agréable. J'irai pas à dire qu'il va être vertigineux, mais il va être conséquent. Voilà, on va rester humble. Mais c'est cool, je vais foncer, casser la figure. Là, on va continuer la mine. On va essayer de descendre plus bas et on va prendre des risques. Oh, que ce schéma me plaît. Oh, tiens, c'est cadeau, ça. C'est une belle pichée. C'est un cadeau offert par Mère Nature. Profitons-en. Ou alors je l'offre à Linus s'il est là. Oui, mais j'ai peut-être... je crois qu'on peut pas offrir trop de cadeaux. Ah, mais non, il est dans sa tente, il pleut. Je suis débile, moi. Encore que c'est une pluie d'été. C'est peut-être une pluie chaude. Et il va peut-être apprécier en disant, tiens, ça me permet de me doucher, de me laver. Ce que je pourrais comprendre. Je suis un abruti, j'allais prendre la foule pour me battre, mais non, c'est l'épée qui me faut. Donc, je pense que la foule fait des dégâts, mais minime. Déjà un point de dégâts au lieu de l'épée qui en fait, même Emoussé qui en fait beaucoup plus. Alors, je suis au sous-sol 5, il faut que j'essaye d'atteindre... Alors, si le jeu est logique, j'ai un ascenseur et un point de sauvegarde tous les 5 niveaux, ou 5 sous-sols. Donc mon but là dans la journée serait d'atteindre le sous-sol numéro 10. Merdoum, la baston. La partie baston est pas évidente à gérer. Oh, vous avez vu le slime, le gélatineux, il est devenu les yeux rouges, il est devenu très méchant. On aurait dit qu'il a pris une deuxième forme, un peu comme un boss. Je sais pas ce qui me serait arrivé s'il m'aurait touché sous cette forme agressive. Il est devenu vénère, le gélatineux. Ouais non c'est bon, j'ai bouclé le truc. Faut que je me presse, il faut pas que je perde trop de temps hein. Je suis chronométré dans le déroulé de la journée en fait. Donc 6ème sous-sol. Ça se passe bien. Je trouve que j'ai un rythme correct. Merde, j'ai oublié de ramasser des cailloux. Je vais tellement vite dans ma fuite en avant là que... Ah, je peux déjà me barrer si je souhaite. Au niveau inférieur. Est-ce que j'ai intérêt à le faire? Peut-être. Je prends le risque. Quitte à louper des ressources intéressantes. Hein. Mais je suis déjà au sous-sol numéro 7. Oula, il y a du matos là. Ah, sympa, la musique elle change. Trop bien. Cette poésie Stardew Valley. Oula, j'ai envie de dire dans mon inventaire que mon épée est un peu trop loin de ma pioche. Donc le temps de basculer d'un outil à l'autre, il se passe du temps et je peux me faire patater par l'ennemi. Oh, chiche. Coup de bol. Je peux me barrer déjà. Alors, attendez, je prends vraiment les ressources intéressantes. Et je me barre déjà au niveau inférieur. Attendez, là il y a du cruve et le cruve ça... Oh merde! Oh la vache! C'est un crabe le machin. Oh, c'est malin! Finalement, vous voyez, je me bats. Je ne refuse pas le combat. Oh lui, il a quelque chose à donner, lui, c'est pas possible. Oh, c'est dégueulasse. L'ennemi qui donne rien du tout. C'est dégueulasse.
attention, faut que je gère ma vie et mon énergie. Vous voyez pas les deux jauges en fait dans le détail parce qu'il y a mon interface qui fait que ça cache. Mais là je suis à un tiers aussi bien dans la vie que dans le... D'ailleurs je vais manger... Bah tiens, je vais manger la baisse épicée pour libérer une case. Et ouais bof, ouais, ça... ouais si, c'est pas mieux que les champignons mais ça nourrit quand même. Ouais, il est pas 15h, très bien dans le jeu, ok. Non bah je me barre au niveau inférieur, je prends le risque. Il faut que j'atteigne encore deux sous-sols et j'aurai pérennisé en fait mon avancée dans la mine. Oh non, c'est trop fort. Le jeu est gentil. Alors je pense que je jouis de ma chance de cocu là. J'ai une chance insolente. Je me barre, tant pis. Si je peux... De toute façon, je pourrais revenir à volonté au sous-sol. Que chouette pour avoir de la roche. Puisque ça m'ouvre les accès pour les 5 sous-sols. Donc autant que j'essaye d'atteindre le plus rapidement possible, de manière mesurée et calculée, les autres sous-sols. Alors, note pour soi-même. Vraiment, dans l'inventaire, mettre l'épée à côté de la pioche. Parce que la difficulté va logiquement croissante plus je descends dans les enfers, à l'instar d'un certain Diablo. Mon jeu est sûrement inspiré d'une mécanique de jeu. Ils ont raison parce que c'est excellent. Parce que je perds vraiment du temps à clac 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 clac, à m'exciter sur la gâchette de la manette pour dire je passe d'un outil à l'autre. Voyez, rien ne se néglige. Même la disposition dans le... attendez, j'essaye de péter les rochers les plus intéressants. Merde, mais attendez, il y a un ennemi. Voilà, je vais encore me faire avoir avec l'épée. Voilà, lui, je peux le charger. Ah, merde. Ah, c'était bien, je l'avais coincé contre un rocher. Ah, bah voilà. Oh! Des bottes en cuir! Samantha n'est plus à côté de ses pompes. Vous avez reçu des bottes en cuir. Oh! Elle va être à la mode, elle va pouvoir se la péter. Ah mais oui, mais je suis quasiment à poil, c'est vrai que j'ai rien. Le cuir est très souple, plus 1 en défense et en immunité. Oh, trop bien! J'ai regagné! Oula, le coffre qui a disparu. Oui, j'allais dire, j'aurais pu le gagner en cadeau, mais non. Alors attendez, il me reste surtout de la santé, un peu d'énergie. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais vraiment récolter un max de... On continue. Ah, peut-être pas dans les niveaux inférieurs. J'aurais pas le temps. Honnêtement, je me vois pas atteindre le sous-sol 15. Je vais revenir au début pour récolter de la pierre. Juste ça. Je vais me la jouer intérêt stratégique. Oh, merci Edgey. C'est adorable. Merci d'avoir pensé à moi, Edgey. Bah, j'espère que ton direct avec Nayonet s'est bien passé. Ah là là, c'est bien vous amuser les garçons alors que j'ai une mythe devant moi que j'ai pas réussi à choper. C'est cette mythe là, j'ai pas réussi à la faire sortir de chez moi, elle est chez moi depuis plusieurs jours. J'ai pas réussi à la chasser de mon domicile, elle me bouffe. Hola, comment est-ce? Dit Nashevman. Re, bonsoir Nashevman. Ouais, bon, on va bien, merci. Je fais le jeu poétique Stardew Valley avant de faire des bibis. On va faire les bibis, je pourrais pudiquement manger en même temps le temps de lancer des circuits. Ça me permet de tout faire en même temps en fait. C'est pour ça que j'ai repoussé un peu l'heure des bibis. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Merde, j'ai plus d'énergie, là, il faut que je bouffe de la... des champignons mignons. Ouais, je suis dans la mine, exactement, Nash. Et je progresse, là, j'ai déverrouillé le 10e sous-sol, que je n'avais pas. Non, non, là, franchement, je suis en train d'apprendre, et je comprends la mécanique de jeu. C'est intéressant. Je crois que le but était d'atteindre le niveau 40, je crois. Il m'avait dit, atteignez le niveau, le sous-sol niveau 40. On n'est pas prêt d'y arriver, hein. Ça viendra, mais pas maintenant. Je pourrais peut-être descendre encore de 5 sous-sols s'il me dit à la télé, à la météo, qu'il va encore pleuvoir.
On va consacrer la journée à descendre dans la mine comme je viens de le faire. Ouais, il est 20h, je vais rentrer chez moi. Je termine de nettoyer le sous-sol là pour avoir max de roches et de ressources. Mais c'est trop bien. D'ailleurs, j'ai merdé, j'ai laissé un caillou derrière moi. Attendez, je pense que je vais le ramasser après sur le retour. Là, c'est gentil, c'est des petits insectes, donc je peux les zigouiller sans prendre trop de risques. Pioche, 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 pioche. Oui, très bien. Ça, c'est un truc que j'avais pas récolté encore. Et le gros gain de cette session... Merde, je suis épuisé. Le gros gain de cette session du jour, c'est que j'ai, d'entrée de jeu, j'ai amélioré mon sac. J'ai une deuxième rangée. Et j'ai pu 12, mais 24 emplacements, ce qui est génial. Franchement, c'est optimal. Oh, les géodes, faut que je gagne du fric pour les péter, les géodes, chez le forgeron. Parce que je les collectionne, et du coup, je passe sûrement à côté de plusieurs trucs. Oh, la musique, elle est extra. Au piano, ça fait ambiance piano-bar, c'est très agréable. Fait-il ambiance jazzy ce soir? Compagnie du Samantha. Re le baron! Ce live était trop cool. Ah bah c'est bien AJ, c'est magnifique. Allez, je me barre parce que j'ai bien bossé là. J'ai bien bossé à la mine. Et là tu chantes. Hé hi, hé ho. On rentre du boulot. La 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 la. Hé hi, hé ho. Comme les sept nains. Heureux, Christella. Ah, c'est bien. Oui, vous saluez entre vous. C'était super cool, on s'est bien amusé. Non, mais c'est génial, c'est cool. Excellente nouvelle, je suis ravi pour vous. Faudra que... J'espère que j'aurai le temps de m'organiser pour voir votre ralenti, votre buff. J'ose plus faire des promesses, parce que la plupart, j'arrive plus à les honorer, et à moi. Non, j'avais récolté les champignons. Mais j'ai un doute. Non, il est trop tard. Tant pis, c'est pas grave. Ouais, il est tard, là. Je vais pas récupérer toute mon énergie. Je vais déposer ça là. Tant pis, je peux le trier un autre jour. Tant pis. Demain, pluie ou pas pluie? Mais non, attends, pas tout de suite. Là, la télé avant. La télé, bulletin météo et demain... Merde, c'est une journée normale, faut pas que j'arrose. Donc je peux ranger mon épée. Encore que... Non, je vais pas utiliser l'épée. Parce que l'arrosage va me prendre pas mal de temps. Ah! Oh! Je suis trop content. Bonus, niveau 7 agriculture. Mazette! Compétence 1 en arrosage et compétence de ouf. J'ai gagné la recette métier à tisser. Alors, je sais pas comment ça marche. Recette de fabrication, solde de rétention de qualité. J'ai le niveau 2 de la rétention. Oh, trop bien. Et je vais me faire de la thune. Oh, incroyable cette journée. Extraction minière, je monte au niveau 3, plus 1, compétence de pioche, nouvelle recette de cuisine, la friandise du mineur. Je sais pas comment on l'a fait, mais c'est trop rigolo. C'est un sucre d'orge. Et la thune. Oh oui, presque 5000. Ça fait plaisir. Oh, trop bien. Le pognon là, je le garde pour racheter des graines pour la prochaine saison qui est l'automne. Merci Nash pour les GG. Ah ouais, excellente journée de Stardew Valley. J'ai excellemment bien joué. Je l'ai rentabilisé à donf. Bon, ça va, je finis. Oh, j'ai les melons qui sont presque prêts. J'ai rentabilisé, je suis trop content. Là, ça doit être des tomates, en fait, que j'ai plantées. Ça a la tronche de tomates. Alors, il faudra que je regarde la recette après de la rétention niveau 2. Merde, j'ai oublié d'arroser celui-là, moi, je sais pas pourquoi. Parce que je voyais pas les cailloux, justement, de la pierre brisée. Oh, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Alors, je vais pas faire des frais, des investissements importants chaque semaine. Là j'ai, on va dire que mon gros gain de la semaine, c'est dès le début, je me suis rué avec 2000 pièces d'or.
à acheter l'amélioration du sac. L'inventaire, c'est génial d'avoir maintenant deux rangées. J'ai gagné un degré de liberté et de rentabilité, sans déconner, qui est vraiment important. Et j'en ferai un autre investissement si je peux. Je sais pas quoi. Est-ce que je vais investir dans les animaux? Je sais pas, peut-être. Il faudrait que je me renseigne auprès de Robin, qui est l'architecte. Oh merde, il y a un piment. Et la menuisière du patelin. Ah non, mais attends, c'est elle qui vend les structures, mais elle vend pas les animaux. Qui c'est qui vend les animaux? Je pensais à faire une... pas une bétaillère, mais... une étable. Mais c'est vrai, c'est un cadeau pour les animaux. Alors qu'en temps réel, sonne les 19h. Là, je commence à avoir les crocs. C'est vrai que je vais apprécier passer au bibi parce que... Là, j'ai plus d'appétit que je n'en avais à midi. Donc, je vais peut-être manger plus que mon restant de pizza. Je vais voir, il faudra que je regarde ce que j'ai comme reste dans le frigo. J'aime bien la musique type orientale. J'ai arrosé les... Ah, j'ai pas géré les champignons dans la grotte. Il faut que j'aille dans ma grotte. Ah, j'ai pas donné l'eau dans la gamelle du chien. J'allais assoiffer le profond Zeus. Voilà, ça c'est fait. On est assez tôt le matin. Il faut que j'analyse la recette de rétention niveau 2. Que je viens de déverrouiller à l'instant. Merde, pardon. Je suis en train de me tromper dans mon... Dans mes déambulations. On peut dire ça comme ça. Les champignons mignons, je vais les ranger là, je crois. Ouais, ouf, tant pis, je ferai un tri plus tard. La recette de rétention 2, je vais la prendre. C'est quoi? Elle est où? Elle est en bas? Rétention 2. Alors attends, la première, c'était juste des cailloux. La 2, c'est... Ah, mélanger à de l'argile. Ce sol a beaucoup plus de chances de rester irrigué durant la nuit. Ah, j'ai combien d'argile? 2? Non. Non, j'en ai ailleurs. Ah oui, mais j'en ai pas beaucoup. Ah merde. L'argile est rare. Ah, c'est vrai que j'en avais distribué à tour de bras la semaine dernière. Ils disaient c'est dégueulasse, ils étaient pas contents. Et j'avais ironiquement critiqué les gens du village en disant mais... ils vivent dans un patelin en zone rurale et ils se peignent derrière de la bouse. Ah si, j'en ai un peu quand même. Oui, c'était rigolo. Attendez. Je veux absolument faire la rétention niveau 2. Ah, j'en ai deux à chaque fois. Ah ouais, 76. Waouh, le gain, il est bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi généreux. Oh la vache! Alors attends, est-ce que je peux écraser le niveau inférieur? Non, je peux pas, c'est rouge. Merde. Je peux... Mince, pardon, pour parler poliment. Je ne peux le faire que sur des nouvelles terres. Ah, mince. Attendez, je réfléchis. Si je peux appliquer ma nouvelle solution plus rentable que sur les nouvelles terres labourées. Il faudrait que je pense à les bêtes en étoile, là, de l'arroseur automatique. Mais non, si je mets un arroseur automatique, j'ai plus d'intérêt à mettre une rétention, je suis débile. Je suis débile, puisque l'arroseur automatique, ça va marcher à tous les coups. Oui, bonne... oui, tu vas mettre ta table, DJ. Bonne app. Holo, t'es nage tranquille. Petit rhum arrangé, pomme cannelle. Holo, t'es, il se fait des boissons de l'été avant l'heure. De l'hiver avant l'heure. Ça va, tranquille. Ah, Olive, t'es revenu. Je reste jusqu'à 21h car j'ai Morbeau qui passe chez moi ensuite. Ah, faudra passer le bonjour à Morbeau. Le pauvre Morbeau que j'ai pas vu depuis une éternité, en fait. J'espère qu'il va bien, Morbeau. Sacré Morbeau, va. Oui, c'est gentil, merci.
Je ne refuse jamais rien. Non, moi je vais rien prendre, j'ai pas envie de boire quelconque alcool. Comme j'ai oublié d'acheter ma mousse, ma bière. Non, j'ai pas envie. Je vais peut-être me faire un apéro sain. Je me suis acheté du sirop de cassis. Je vais peut-être me faire une grosse. Une belle cruche de sirop à la cassis. Ça va me procurer beaucoup de plaisir. Je me suis décoté ça en allant faire mes courses cette semaine. J'ai pas inauguré le sirop de cassis. Bof, des soucis et beaucoup trop de travail pour lui. Ah merde. Bah bon courage à Marbo. Oh merde. Si lui aussi a des soucis, dur. Mais il faudra qu'honnêtement, je passe à le casque quand il est en direct. Faut que je chope au vol et que je lui fasse ne serait-ce qu'un popo. Bonjour de politesse. Un popo, n'importe quoi. J'ai bugué. N'importe quoi, moi. Nashéman, évidemment, tu te prends la poire. Oh, t'as bien raison, Jean. C'est bon, vous pouvez clipper. Si vous le faites pas, je le ferai. Ah, soupir. Bon, sérieusement, attendez. Quelle heure dans le jeu? Non. Oh, faut que j'arrête de cliquer là où il faut pas. 13h dans le jeu, je réfléchis. On est jeudi, on est un jour ensoleillé. Je fais quoi dans Stardew Valley? Je tente un peu la pêche, parce qu'il faut que je récolte énormément de poissons. Je vais peut-être tenter un peu la pêche pour varier de la mine. Ma canne à pêche, elle est dans le trou bleu. Allez. Où est-ce que je suis pas allé pêcher? Je suis peut-être pas allé pêcher. À la plage. Maintenant que j'ai un gros inventaire. Oh, un train passe à Stardew Valley. Alors, est-ce qu'il faut que je me présente à la gare pour voir un truc quand il y a un train qui passe? Je sais pas du tout. Bon, là, pardon, parce que la dernière fois que je suis allé voir le train, j'ai vu le train passer et j'ai pas eu de bonus. Je préfère aller à la plage. Tant pis, hein, je rate peut-être un truc en négligeant le train, qui est visiblement un événement aléatoire, mais... Ah merde, il y avait des poids de senteur, là. Ah, c'est bloqué. Ah, bonjour, toi. Ce qui est frustrant avec les tâches ménagères, c'est qu'on n'en voit jamais le bout. M'en parle pas, ma grande. On nettoie le sol et il est de nouveau sale le lendemain. Oh, arrête, pitié. Oui, c'est la vie, c'est cyclique. Merci, ça va me donner le sourire toute la journée. Ah, Johnny a apprécié mon cadeau. Tiens, toi, tu vas aimer les poids de senteur. Oh mon Dieu, vraiment? Elle est enjouée, elle était heureuse. Bon, bah c'est bien. Je pourrais peut-être demander à Pierre de préparer le dîner ce soir. Je ne suis pas une conseillère matriarcale. Une conseillère matrimoniale. Ce sont tes problèmes de ménage, je vais pas juger. Evelyne, l'adorable doyenne. Je vais faire des cookies aujourd'hui. Ce sont des petites merveilles à la noix de coco en forme de petits palmiers. Oh, elle me donnera envie d'en manger en vrai, la vilaine. Je te révélerai peut-être ma recette un jour. On va devenir copine. Bah, moi aussi, je veux pouvoir apprendre à faire des biscuits à la noix de coco, dis donc. En vrai, j'adorerais manger. J'adore la noix de coco, en vrai. J'adore la noix de coco. Papa m'a parlé de notre ennemi national. Quoi? Papa m'a parlé de notre ennemi national, l'Empire Gotoro. Ils ont l'air d'être impitoyables. Oui, c'est un parallélisme avec les dictatures. Enfin, bref. Voilà. J'ai bugué, là. J'ai pas compris. Oh, les gars, comment ça va, les enfants? Alors, la puce, elle dit, je dois pas parler aux inconnus. Oh, trop mignon. Et le gamin? Oh, il est larmoyant! J'ai faim, où est maman? Oh, l'autre est... Quoi? Il est 14h40 et t'as pas été nourri? Mais ta mère est indigne. Mais qu'est-ce que c'est que ce décalage? À quelle heure vous faites votre déjeuner, vous? Bah alors, que signifie? C'est choquant. Il est 14h passé et le gamin, il a encore faim, il a pas... Je comprends plus ce jeu. Il y a des affaires de famille, c'est honteux. Et tu as perdu à la pêche sur le chat, Olive. Ça rappelle, c'est moi qui bois. Oh, c'est dimanche et il pleut. Oh mon Dieu. Bon, j'ai pas vu Willy depuis longtemps. Willy, c'est le pêcheur. Ah bah, il est peut-être dans son échoppe. Ah oui, il est dans son échoppe. Ah oui. Entre et fais comme chez toi. Salut Willy. C'est quoi ça?
C'est un bassin? Ouais, c'est de la bonne qualité ça, les poissons en raffolent. Par contre, n'oublie pas de bien te laver les mains après les avoir mises dans le jus. Il dit ça gêné. L'odeur est connue pour persister jusqu'à 7 semaines. Quoi? Ma petite. Oh la vache. C'est mon nouveau parfum. J'ai entendu dire que tu attrapes beaucoup de poissons. Non, c'est pas vrai. Non, c'est trop difficile. Franchement. Oui, c'est une activité difficile, surtout quand on n'y connaît rien. Bah, apprends-moi tout, deviens mon mentor, mon grand. Tu as essayé la canne à pêche pour débutants, je les vends ici même à un prix plus que raisonnable. Tu devrais essayer d'utiliser une canne à pêche pour débutants pour le moment. Tu me l'as fait à combien? Qu'est-ce qui va pas? Tout va bien? Non, je vais être direct. Qu'est-ce qui va pas? Eh bien, les affaires ont été difficiles ces derniers temps. Tout a commencé à peu près au moment où l'ancien centre communautaire est tombé en ruine. Ah ouais? Les poissons ne se vendaient pas aussi bien qu'avant. Je travaille deux fois plus pour joindre les deux bouts. Ah, c'est horrible ça comme situation. Je n'ai pas le temps de travailler sur mes projets perso. Ah, c'est terrible ça. Mais si les affaires reprennent un peu, j'aurai peut-être le temps de te montrer quelque chose. Tiens donc. Hé hé, ouais! Elle est là-bas, cette bonne vieille fille. Elle a connu des jours meilleurs. Cette bonne vieille fille, entre guillemets. Le mystère est total. Une super canne à pêche, peut-être. Un jour, ma petite, tu comprendras ce que je veux dire. Ouais, t'es bien mystérieux, là. Canaillou de Willy, qu'est-ce qui me cache? Tiens, on revient en normal. Soupe à la truite, trop cher. Appa. Appa, c'est pas cher. J'en ai acheté un peu pour essayer. Canne à pêche en bambou, apprenti. Oh, c'est pas cher, 25. Fibre de verre. Oh, wow, grand aquarium, petit aquarium, libre, double. Oh, de pêcheur, 25 000. Wow, le mobilier, je l'achèterai beaucoup plus tard. Attends, la canne à pêche. C'est quoi que j'ai, moi? Je sais même pas ce que j'ai. J'ai quoi? Mais il me le dit pas, en plus, cet idiot. J'ai une canne à pêche en quoi, moi? Ah, j'en ai une en bambou. Ah, bah, c'est pas la pire. Apprenti, c'est pire. Attends, je comprends pas. À utiliser dans l'eau pour attraper des poissons. Beaucoup plus facile à utiliser que les autres cannes à pêche, mais ne perd... Ah, que les poissons communs. 1800. À utiliser dans l'eau pour attraper des poissons. 1800, ça douille. Qu'est-ce qu'il y a? Le lit doit sentir le thon et la morue. Oh, pff, qu'il est bête. N'importe quoi, Nash. N'importe quoi, mon Dieu, mon Dieu. Canne à pêche en fibre de verre. Oh, il faut que je garde de la thune pour les... Non, je vais pas craquer. Je vais pas faire la bêtise. Je vais acheter la petite d'apprenti. Parce que ma thune, là, il me reste encore une semaine complète à faire en été, mais il faut que je garde ma thune pour les graines de la saison suivante. Ça, c'est le piège dans Stardew Valley, c'est pas avoir de réserve de trésorerie pour... Bah merde, je suis con, je me barre sans pêcher, moi. Attends, je vais aller là-bas parce que je pense qu'il y a des trucs à récolter à la main. Oui! Une coque. Ah, un oursin. Elle lit. Je suis venu écouter le bruit de la mer, magnifique, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Il y a des mouettes, des goélands. Un oursin. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, non, d'accord. Ça, c'est un corail. Et il y a un quai, là, j'avais souvenir, en forme de thé. Voilà. Voilà, je l'avais vu précédemment, celui-là. Donc, ça, c'est la nouvelle canne à pêche. Donc, c'est facile et je chope des poissons communs, c'est ça? Oui, bien sûr, des algues, va te faire voir. Il est où, mon poisson commun? Mais on gagne pas à tous les coups. Non, Funfan, il est parti se reposer et se restaurer un peu, ou il doit faire déjà du montage YouTube de son côté. Mais il est pas loin, t'en fais pas, le baron. Il reviendra plus vers les 20h quand je lancerai des bibilles. Une canette de soda, dis donc. Non, mais je suis un peu le bar.
Ouais, les bibis, on va les faire dans 3 quarts d'heure, je pense. Parce que comme c'est le la fin du jeudi dans le jeu, j'arrête toutes les semaines. Donc, une fois que j'aurai atteint dimanche soir dans le jeu, je voilà, j'arrêterai. On passera aux bibis. Merde, ça mord plus. Pourtant, je suis passé de l'autre côté, dis donc. Non, ça mord pas, laisse tomber. Je vais faire en face. Ah. Déchet. C'est nul. Oh, déchet. Mais je vais me barrer de l'endroit, c'est pas possible. En fait, je vais rentrer chez moi et je vais pêcher dans mes propres bassins. Et à la première agression, bah elle aussi, elle se... Attends, attends, il y a la rivière aussi. Je pense que ça compte comme un endroit différent, la rivière, non? J'avais pas réfléchi. C'est pas pareil. Là, normalement, c'est de l'eau douce. Ça doit pas être de l'eau salée, encore. Ça mord pas. Ça marche pas? Ah, si! Oui, alors, pour avoir de l'algue, hein, il peut aller se faire en papa goûter. Ah, c'est pas mieux pour toi, Nash, du côté dans le chat pour la pêche. De pêche! Faudra retenter. Le bot, il boude, dit Olive. Oh, un CD cassé. Mais hé, hey, y a que des déchets dans la rivière. C'est d'une tristesse infinie. Y a pas de poisson. Non, mais vous êtes sérieux? Ah, oh. Non, mais j'arrête là, je suis déçu là. La rivière, c'est une poubelle. C'est lamentable. Ou alors, je peux pas interagir avec la poubelle, j'allais dire. Avec la rivière poubelle, là, je peux pas interagir avec cette canne à pêche spéciale débutant, en fait. Parce qu'il y aurait peut-être pas de poisson commun, en fait, dans la rivière. J'aurais peut-être, entre guillemets, que des spécimens spéciaux, je sais pas. À voir. Oh la vache! Il était temps que j'arrête ma pêche, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai plus d'énergie, là, je suis... Quoi? Oh! J'ai trébuché sur un ennemi, un gélatineux. Non, oh, pff, nimp. La pas m'a pas servi, en fait, j'ai jamais équipé. Ça, c'est la mer. Oh, c'est bien! J'ai récupéré à la main un truc qui se... Qui se... Prout-prout, qui se met à la maison communale. Alors, le jour suivant, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un bulletin d'ailleurs de Miam. Demain il fera beau. Merde. Enfin. Bon, tant pis, ça va être une journée classique. Non, j'ai une recette. Vivre à la ferme. Vous regardez, vivre à la ferme. Nous sommes de retour avec une nouvelle astuce. Écoutez bien. L'été est réputé pour ses orages. Si vous savez fabriquer un paratonnerre. Oh, intéressant. Vous pouvez recycler l'électricité des orages et créer des batteries. Oh merde. Elles peuvent être revendues ou utilisées pour l'artisanat. Oh! Un jour, il faudra que j'apprenne le paratonnerre. Je sais pas comment. Et j'attends d'avoir le truc à fermentation du houblon, là. Je l'ai pas, la distillerie. Je sais pas faire la distillerie, encore. Je récolte le houblon à tour de bras, mais... on s'est pas perdu, mais... Pourquoi le houblon n'est pas à chaque fois? On est bien d'accord, j'arrose tous les pieds. C'est aléatoire? J'ai l'impression que c'est aléatoire. C'est capricieux le houblon, c'est bizarre. Non, en fait... Mais attends, je réfléchis. Quand je basculerai dans la prochaine saison, qui sera l'automne, je vais... Certes, les graines vont crever. Ah non, j'avais... Non, attendez. Le soleil... le pare-soleil, là. Le sunflowers. Le... Merde, je sais plus le mot français. Bah bravo, j'ai le cerveau qui est raclapla. Tournesol, pardon. Je crois que c'est le végétal qui est aussi valable en automne. Donc je l'ai rentabilisé sur deux saisons, c'est cool. Mais est-ce que je vais avoir réinitialisé l'imperméabilité de mon sol, en fait, d'une saison à l'autre? Ça, ça reste à découvrir. Est-ce que je garde indéfiniment mon aménagement ou... Je sais pas, faudra voir. On verra. On verra avec l'expérience de jeu.
Je dois saluer le répertoire des musiques intégrées au jeu. Je trouve que c'est varié, c'est agréablement... C'est surprenant, mais c'est bien agréable. Merde, j'ai plus faute. Heureusement que je suis au bord de l'eau. Ça j'arrose. Pardon, je me suis laissé distraire sur mon écran secondaire avec une notification, mais qui est sans importance dans l'immédiat. Alors, la gamelle du chien, la récolte de champignons dans la grotte. Oh là là, les automatismes. Le bis repetita. C'est moi ou j'ai arrosé mes plantes plus rapidement que d'habitude? Attendez. J'ai eu du bol avec le sol de rétention. Ah ouais. Bah. Attends, j'ai pas oublié un truc. En général, ma matinée se termine plus tard. Bon, bah je sais pas, tant mieux. Je vais peut-être aller à la mine du coup. Attendez, c'est moi qui perds la tête ou Je me barre à la mine, moi, du coup. Ah, avec ma thune, j'aurais pu éventuellement jouer les géodes chez le forgeron. Ouais, non, tant pis, je vais continuer la mine. Ah non, mais j'ai eu du bol, en fait. J'ai eu pas mal de cases en imperméabilisé. Et en fait, j'ai eu beaucoup moins de boulot d'arrosage à faire. Oui, tournesol, ouais, merci, Nash. Ok. Ah bah Linus est là. Bah tiens, je vais peut-être lui offrir le fruit. Ah, c'est une qualité or. Oh, tant pis, j'en aurai d'autres. Ouais, il est content. Il est content 22. Au moins, je me sociabilise dans le patelin. Ah, j'ai peut-être une chance d'essayer d'accéder au niveau inférieur. Là, je suis au 10. Je vais essayer d'atteindre le 15. Et bah, du coup, 11. Oh! Ça se végétalise! Tu parles d'une surprise, toi? C'est vrai que j'ai un souvenir qui me revient en tête. J'ai vu des extraits de Stardew Valley un peu chez Colibria, je crois. Mais chez Manon aussi, Junkie Cake, que je vous avais déjà présenté. Et elle était sacrément avancée dans le jeu parce que y avait un truc à la Diablo qui m'avait impressionné. Elle était dans un sous-sol où il y avait de la lave. Donc je pense que c'est dans les grandes profondeurs de cette mine. Et peut-être qu'un jour, bah c'est peut-être le niveau 40, j'atteindrai la lave et puis basta quoi. J'étais surpris à un moment, j'avais regardé Manon jouer à Stardew Valley et ça faisait franchement penser à Diablo. Bastos aussi m'avait dit. Bastos avait bien aimé le jeu, à moins que je confonde avec toi Nash. Mais je crois que c'est Bastos qui m'avait dit, lui, il avait fait sa fortune dans la mine, et pas dans l'agriculture. Là, j'essaie de concilier les deux, donc... avec un peu de chance... Je vais être deux fois plus riche plus rapidement. Ouais. Espérons. Merde, pardon. Je me suis fait avoir par le gélatineux. Alors, dans l'inventaire, mon épée est plus proche de la pioche, mais c'est pas encore ça. Oh, c'était quoi ça? Mon dieu, le truc de sable mouvant qui m'a fait peur. Il y a un verre de sable mouvant, mais non. Je vais reprendre un champignon, là, parce que je suis dans le mal au niveau de l'énergie. Ça doit être lui, alors, même si j'ai exploité la mine aussi. Ouais, alors c'est Bastos, ouais. Je me souviens que Bastos m'avait dit qu'il y avait joué, il m'avait donné 2-3 conseils aussi. Mais merci à vous toutes et toutes, hein. Merci pour les... vos critiques, vos retours, là, ce que vous m'avez donné, inculqué comme bon conseil. Merde, je prends l'épée, mais non, c'est la faux qu'il faut pour les végétaux. J'ai pas pris le bon outil.
Attention. Ouais, ça va, il me reste de l'énergie. C'est moi ou la grotte est devenue plus sombre? J'ai l'impression que ce 11e sous-sol ne me dit pas qu'on peut se retrouver dans le noir complet. C'est là où, à un moment, quand on descend dans tout le sous-sol, il faut avoir un équipement de mineur avec les lampes sur le fond. Ce serait logique, quelque part. Mais dur. Attendez, pourquoi j'ai pas trouvé d'échelle pour le niveau inférieur? Bah. Oh merde! Oh là là, ça craint! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh la vache, la difficulté est pas la même! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, dur! Je sens que ça va être un bestiaire. Non, mais lui, il faut que je le patate en fait. Ah, je l'ai eu. Ouais. Je sens qu'il va y avoir un bestiaire au fur et à mesure que je vais progresser dans la mine. Ah, elle est là, l'échelle. Je l'avais complètement zappé. Wow! Alors là, c'est l'inverse. C'est excellemment bien éclairé. Les sous-sols s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Bravo hein, pour les concepteurs. Attendez, attendez. Non, il n'y a pas de... À la hache? Non, je peux pas interagir. Bon, tant pis. C'est du décor. Oh, merde, c'est un... C'est pas un rocher, c'est un crabe. C'est un crabe chiant qui donne rien en plus. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ah, je comprenais plus. Bah tiens, j'ai chopé le crabe. Bah c'est bien là, au moins j'ai un gain. Alors, manger les champignons mignons parce que là, l'énergie, j'étais dans le orange vif. Faudrait pas qu'elle finisse en PLS, la pauvre. Quelle heure il est? Oui, 17h. Niveau 12, non, à mon avis, j'atteindrai pas le niveau 15. C'est... Ah, quoique. Oh! Il y a des géodes que je connais pas. C'est quoi ça? C'est de la... On dirait de la métisse. C'est ça, c'est de la métisse. Trop bien. Oh! Et bah, j'ai bien fait d'acheter le deuxième sac. Parce que voilà la variété de trucs que j'ai dans l'inventaire, c'est nimpe. Oh oh, j'aime pas ce bourdonnement. Merde! Voilà la bestiole qui sort de l'écran et qui est super chiante. Le jeu est malin parce que en fait je vois que j'ai intérêt à changer mon épée et de passer d'une épée émoussée à une épée de qualité. Parce que sinon je vais me faire surpasser par les ennemis. Là, ça va encore, mais il est hors de question que je puisse atteindre le niveau de sous-sol 40 avec une épée de base comme ça émoussée. Je suis sûr qu'il va me falloir un truc bien plus costaud. Oh, c'est là où à la fin du jeu il y a un katana. Et je les défonce tous. Merde! Oh non! Cette zone est infestée, je vois un énorme slime. Un énorme gélatineux. Oh! Re-Aeroster! Ça va, toi aussi, ton direct s'est bien passé, Aeroster? Je crois que t'as fait du Elden Ring, si j'ai pas de bêtises aujourd'hui. Tu me corrigeras si j'ai dit une ânerie. Mais je crois que je t'ai vu avec une annonce d'Elden Ring, je sais plus. Oh mon dieu, c'est la couleur des slime, des gélatineux. Oh merde, je suis embourbé. Oh, c'est la moche. Ta-ta-da. Et puis bouge bien, oh, pour un gélatineux, dis donc. Bon, il me fait pas une attaque éclair parce qu'il est trop lourd. Ah, ah, ah. Faut le coincer au mur. Oui, j'ai gagné. Victory. Ah, j'avais pas fait gaffe, il y en a qui ont des antennes et d'autres non. Ça distingue les mâles des femelles. J'en ai aucune idée. Ouais, j'ai bien avancé sur Elden aujourd'hui. Ah bien, cool. Comme moi, là, je suis en train de constater que j'avance vachement bien dans Stardew Valley. J'aurais fait une semaine fructueuse. Donc, je rappelle, hein, à partir de 20h, je basculerai pour les bibis. Il me reste à faire samedi, dimanche dans le jeu, puis après, on fait les bibis, là. Merdoum. Pardon. J'ai merdé mon... Voilà.
J'ai pas trouvé l'échelle, il y a encore des ennemis. Eh, hey, je me porte plutôt bien. Hein. J'ai encore de l'énergie et de la santé, c'est bien. Je suis aux deux tiers des deux, santé et énergie. Attention que je me fasse pas repérer par l'autre ennemi. Si il m'a repéré, merde, je vais me faire cerner. Ah la vache. Alors tant qu'ils sont du même côté, ça va. Merde, homme, je vais me faire dépasser. J'ai du merdoum, j'ai du bol. Bah alors, il y a encore des ennemis? Ah merde. Oh non, il y en a encore un autre. Oh là là, mais quel bestiaire. Il faut surtout pas que j'ai... Oh non, 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 pas les deux en même temps. Ah, je peux plus bouger, je suis obligé de taper pour me défendre. Oh non, il s'est subdivisé en petits, c'est dégueulasse. Oh là là, c'est quoi ce truc de cauchemar? Putain, mais c'est horrible. Non, au secours. Waouh, ma santé est pas bien. Je suis dans l'orange au niveau santé, je vais crever. Vite, reprendre l'énergie, ma grande. Oui, mange, mange, mange. Oh, il est 22h, j'ai pas vu l'heure. Merde. Je suis dans la merde. J'ai pas vu l'heure. In-game, dans le jeu. Vite, il faut absolument que j'atteigne l'autre sous-sol. Ah, merdôme. Merci. Oui. D'accord, ok, j'ai... Oh, trop bien. Il était temps que j'entre chez moi. Oh, il est 23h, je vais jamais arriver à l'heure chez moi. Panique! Je vais me vautrer dans le lit sans même prendre la télé ni ranger mon inventaire. Oh, on voit plus rien, c'est la nuit noire, au secours! Il n'y a même pas de clair de lune. Assassin, bonsoir la Jed. J'espère que tu vas bien aussi la Jed. Oui, merci à vous d'être là. Oh, je viens de voir Ninage que le jeu est encore en développement et que pour la... Oui! Oui, alors support 8 joueurs, j'ai vu l'annonce il y a 15 jours. Support 8 joueurs, une nouvelle zone, une centaine de nouveaux dialogues, deux mini-quêtes et une grosse quête, je crois. Hein, un truc dans le genre là. Oui, 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 le jeu continue d'être développé, c'est magnifique. Oui, allez, dodo. Il est quasiment minuit, là. Ouais! Niveau 1 de combat, plus 5 points de vie. Nouvelle recette, quoi? Un anneau solide. Et un steak d'insectes, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, c'est ça. Ouais, tu confirmes, Nash. Mais c'est bien, c'est beau que le jeu soit encore en vie. Bah, ça va relancer les directs sur Steam, c'est bien. Avec la guinguette du village. C'est plutôt un produit de la mer, ça. Oh, je récolte tellement de trucs que je sais plus où les ranger. C'est la folie. C'est le matin. Quel temps il fait? J'aime pas regarder la météo du coup. Ah merde, il fait beau. Courrier, Samantha. Je collecte des données sur la corrélation entre l'alcalinité du sol et les niveaux de fructose dans les récoltes. En bref, j'ai besoin d'un melon frais pour ta ferme. Ah, de ta ferme! Je suis en train de faire des melons. C'est cool. Si tu m'en apportes un, je serais très reconnaissant, Démétrius, oui, le scientifique. Oui, quand ils sont à maturité, je t'en apporte un, mon gars. Y a pas de souci. Oula. Alors, je vais d'abord faire la récolte et après, je fais l'arrosage. J'ai failli dire l'arrosement. N'importe quoi. L'arrosage. Alors, le houblon. Oh! Ah non, c'est pas des tomates, ça. On dirait des cranberries. On dirait les baies canadiennes. C'est quoi? Ah non, c'est des tomates. J'ai cru... Bizarre la manière dont ils ont dessiné le plant de tomates. J'ai cru que c'était des cranberries, moi, du coup. J'ai eu un gros doute. D'accord. Et les melons, c'est pour bientôt. Ils sont pas encore prêts, mais ça viendra. Allez, arrosage. Bon. La gamelle du chien après ça, les champignons, c'est toujours le même rituel. C'est toujours la même mécanique. Faut pas que je lui d'arroser les houblons.
On est samedi. Ah, on voit le bout du tunnel au niveau de la semaine. Ouais, oh, un petit peu avant 20h, on va basculer dans les bibis. Soyez rassurés, hein, pour ceux qui attendent les bibis. Je vais réussir à arroser convenablement une parcelle, moi. Alors, attends, je me vaute dans le lac pour... Enfin, dans le lac, j'exagère, dans l'étang, dans le plan d'eau. Merde, j'arrive pas dans le bon ordre. C'est pas grave. À partir du moment que je distingue les arrosés des sèches. Alors, avec le sapin, j'ai un gros doudou, j'arrose tout. Le fondu avec le sapin, je vois rien. Je crois que je vais abattre cet arbre. Le sapin m'enquiquine plutôt qu'autre chose. Il faut pas que je mette des arbres au niveau des cultures. Ça va pas, ça aide en rien. Ça aide vraiment en rien. Et puis c'est pas comme si j'avais de l'espace dans mon exploitation agricole. J'ai déjà un doute, j'ai arrosé les houblons, je les ai pas arrosés. J'ai pas pris conscience que j'étais en train de le faire. Vu l'ordre dans lequel je fais le truc, je serais susceptible de me dire que je les ai déjà arrosés. J'ai l'appétit qui monte en flèche. J'ai l'impression que j'ai honteusement mangé double ce soir. C'est bizarre que j'ai... Pourtant j'ai croqué une demi-pizza à midi. Bon, j'ai pas pris le dessert, je crois, je m'en souviens plus. Je m'étais resservi un deuxième café au lait, qui est quand même nourrissant. Ouais, allez, tant pis, à la volée, je fais le houblon peut-être en x2. Alors, la gamelle du chien, les champignons... La gamelle du chien, les champignons... En revenant, je vais re-remplir l'arrosoir. Oh ! Ah bah c'est bien, c'est mes champignons qui me nourrissent quand je vais à la mine. C'est pas plus mal. Mais j'ai vraiment pas oublié de faire un truc, moi. Je suis surpris de me dire que je termine ma matinée plus vite que d'habitude. Où j'ai gagné en vitesse, peut-être, avec mon expérience qui a monté en flèche. Je sais pas, je suis perturbé. C'est troublant. Je vais retourner à la mine, écoutez, mince. Qu'est-ce que je fais des géodes? Non, j'ai envie de retourner à la mine. Ah, encore que, attendez. Ah, la thune, faut que je la garde vraiment pour les graines. Alors, je sais que je vais avoir une récolte de... Ah oui, je vais avoir les melons et quand même les tournesols. Qu'est-ce que je fais? Je fais péter les géodes chez le forgeron et j'essaie de voir si je peux améliorer mon épée. Et je vais pas à la mine, du coup. Ouais, allez, je vais varier les plaisirs. Allez, je prends le risque. Je prends le risque. Vous, ça va vous varier le contenu à l'écran. Je vais aller péter les géodes chez le forgeron et je vais essayer de m'acheter une meilleure épée. J'espère que c'est pas cher. J'espère vraiment avoir une bonne surprise. Le forgeron, il s'est barré. J'aurais dû... Ah bah non, oui, non, je vais garder peut-être l'épée. Je vais peut-être pouvoir l'échanger, je sais pas. Le forgeron, il est à l'opposé de moi dans le village. Il était complètement à l'est. Ah, il y a peut-être des requêtes. Merde! Je néglige complètement les anniversaires. J'y pense pas, c'est horrible. J'ai tort. Je suis sûr que j'aurai un énorme bonus amitié si je pense aux anniversaires des uns et des autres. Je zappe complètement cet aspect du jeu. Le forgeron, il est là-bas. Oh, un point de senteur. Non, c'est pas lui, c'est le truc où... la grosse chaudière, c'est ça. Il est d'accord dans sa poubelle, il a rien. Oh, il y a une scénette. Ou pas. Ah non, il n'y a pas de scénette. Le maire, je suis ici pour collecter l'impôt sur les bénéfices de Klein. Ah merde, il va faire la gueule. Ah bah je vais être gentil, je vais offrir une baie épicée. Tiens, cadeau. Compensation des impôts. Merci. Apparemment, il apprécie. Fais-moi péter les géodes. Ah, améliorer les outils. Attendez, je sais plus. Alors, boutique, minerai... J'ai aucun intérêt à lui acheter des minerais. Améliorer les outils, hache de cuivre... Ah, arrosard de cuivre.
Oh, 2000. Nécessite en plus de lui apporter des lingots de cuivre. Non, mais tu vas aller te faire voir. Wow. Oh, c'est cher. Transformer les géodes. Oui, 25 par géode. Eh ben, j'espère que je vais avoir des bonnes surprises. Allez! Qu'est-ce que c'est? Calcaire. Minerai. À mon avis, j'aurais pas de thunes pour investir dans une nouvelle épée. Ça va être hors de prix. Oh, de l'argile, c'est sympa! L'argile, souvenez-vous, j'en fais du super imperméabilisant de sol. Oh là là, qu'est-ce que ces trucs? L'interface est trouble. J'ai 2 lignes d'inventaire, pas 3. C'est bizarre. Quoi? De la jagoïte, je ne sais pas ce que c'est. Eh ben dis donc! C'est mieux que les Kinder Surprise, les géodes! Un home, bien sûr. Ah! Ah non, c'est un œuf. Je pensais à une pierre naturelle, là, je sais plus comment ça s'appelle. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'argilite. Ah, encore de l'ardoise. Ah, des cailloux. J'aime bien les cailloux. Ah, nécoïte. De la jambourite. Merde, j'ai plus de place dans l'inventaire. Waouh! Oui, ben attendez, on va s'arrêter là. Pourquoi? Ah oui, pardon, j'ai dit, je peux pas me barrer de l'inventaire, là, ça va pas. Voilà, merci. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Calcaire, Gunter, pour en dire plus au musée. Ça je connais. Cristal. Ah, cristal de terre, mettre au musée. Musée, la jambe. Ah oui, tout va au musée en fait. Ah, home artefact. Home de nain. C'est l'un des casques communément portés par les nains. Le revêtement de métal épais les protège des débris et des stalactites qui tombent. Ok. Je sais pas ce que je vais faire du home. Ardoise minérale, alors musée. Grès, musée. J'avoue, musée. Calcite, musée. Alors le musée, il est juste en bas. C'est lui le musée. C'est la bibliothèque, école, musée, là, c'est ça. Le bureau d'archéologie. Oui, c'est ça en fait. Je me trompe? Oui, faire un don. Ok. Ah, j'ai des récompenses. À chaque fois, j'ai une récompense. Ah non, c'est pas automatique. D'accord. Oui, en fait, je peux mettre là où il y a des emplacements. Il n'y a pas d'importance de... Alors, ça fait 2 récompenses. Nickel. Alors, la récompense, c'est là. Oh! Ah ouais, alors c'est pas perdu, c'est sympa, mais, ah bah oui, mais c'est trop tard. C'est pas grave, ce sera pour les années suivantes. D'accord, j'ai donné des... Ah, c'est pas mal, c'est sympa. Il est midi, mais je pourrais retourner à la mine en plus. Non mais, sérieux? Je sens l'odeur d'un barbecue. je sais pas quoi lui offrir, je sens qu'il va mal le prendre. Attendez. Je gère superbement bien mon temps, je trouve. Faut dire aussi, je trace. Hein. Je trace comme un gros malade. Oui, ok, non, il n'y a rien de nouveau dans le chat. Je vais déposer en trombe mes... vider mes poches et je fonce à la mine. Je peux me faire une demi-journée de mine, c'est intéressant. Ou de la pêche. Ouais, allez, je vais faire la pêche, ça va changer. Non, c'est... je fais n'importe quoi, je mets tout là-dedans. Je referai le tri une autre fois. Ah, oh, j'ai mon truc. Alors, c'est, ah, c'est de la gelée. Ah. Donc, il faut que je mette ça. Dans le tonneau. Il faut que je laisse macérer plusieurs jours ou plusieurs heures, je sais pas. Dakodak. Alors ça, c'est un cadeau à faire à la maison communale. C'est un bonus. Je veux ma canne à pêche qui doit être dans le coffre bleu. D'ailleurs, je vais déposer mon épée parce que j'en ai plus besoin.
Et ma canne à pêche d'apprenti, voilà. Je vais prendre celle d'apprenti, je vais démarrer tout doux. Je vais aller pêcher où, moi? J'ai retourné dans la rivière en bas. Parce que je crois que j'ai souvenir de pêcher beaucoup de merdouilles, pardon. J'ai beaucoup de déchets quand je pêche dans ma mare de mon terrain. C'est pas cool, je crois. Oh, un bouquin. Poisson lune. Pas mal. Attendez, pause, pardon. Oh merde, je peux pas faire pause. Oh, c'est chier, on peut pas faire pause quand on fait la pêche. D'ailleurs, t'as perdu une HMA dans le chat. Désolé. Ça mord. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec la canne à pêche de débutant. Ça a rien à voir, le poisson gigote beaucoup moins. Oh! Truite arc-en-ciel, j'ai fisherman, pêcheur, attrapé 10 poissons différents. J'ai trop bien. Non, je peux pas pêcher dans la terre. Je pêche le papillon. Il y a peut-être un filet d'ailleurs pour les choper. Pour faire la collection comme dans Stardew. Non, comme dans Stardew, allez. Dans Starbound. Attends, je voulais faire pause pour voir un coup parce que j'ai la gorge sèche, j'ai soif. J'ai soif. C'est honteux, Dinesh. Je vous laisse mon hélicoptère en soutien. Oui, merci le baron. Non, merde, nous savons. Attendez, pause. Je meurs de soif. Là, il faut vraiment. Je me sens pas bien au niveau du fond du palais. Là, j'ai pas bu depuis un bon bout de temps et. Sérieusement, ça va faire 2 heures. Ça va faire depuis 2 heures que j'ai pas bu. Et comme je parle, ça aide en rien. Bonsoir Cocosi, comment que ça va? Merci à toi d'être là. Poisson lune. C'est bien, j'ai des gains en poisson. Mais le problème, c'est que les poissons, je les ai bruts. Je présume qu'on peut les cuisiner dans des plats, en fait. Je maîtrise pas encore toutes les subtilités du jeu. Comment on fait de la cuisine? Mince, je fais des bêtises. Alors, ça mord? Ouais, ça va, Cocosi, c'est cool, c'est bien. Bah, je sais plus pêcher, moi, quoi. Attendez, je suis pas concentré, je pense. C'est quand il y a le point d'exclamation qu'il faut que je... Ah bah, il n'y a plus rien. Non, je vais bouger parce que... Le poisson ne mord plus à cet endroit. Là, ça mord. Oui. Oui, ça mord. Ah oui, c'est beaucoup plus facile avec... Merde, pardon. Je me loupe au moment où je dis que c'est plus facile. Une dorade. Hop, allez, encore un dernier, parce que j'ai quasiment plus d'énergie. Suggère un sondage. Ah, t'as une idée de sondage, Nash? Vas-y, propose tes intitulés et je te prends le sondage. Y a pas de souci. Oh, ah, j'ai dit un merdoum, ça mord plus. Hop, hop, hop. Encore une truc arc-en-ciel.
Faut que je fasse gaffe parce que là je suis dans le rouge quasiment pour l'énergie. Oui, je pense que c'est mon dernier jet. Après, Samantha va être épuisée. Oh merde, Oum! Là, c'est bien fait, on voit la luminosité qui se baisse au fur et à mesure que la journée passe. Ils ont très bien géré la lumière. Ah merde, ça meurt plus. Oh mon, je te lire, Nash. Oh, t'es diabolique. Ouais, mais me maquiller, j'ai rien pour me maquiller. Ou alors il faudrait que je monte à la jambe féminine dans ma famille de me céder. À vrai dire, je sais même pas combien coûte un rouge à lèvres. Je me suis jamais intéressé. Mais. Enfin, tu dis maquiller dans le sens de se travestir. Oui, c'est diabolique ton idée. Et encore, honnêtement, c'est le genre de folie pour te délirer que je ferais bien. Surtout pendant les vacances d'hiver. T'as de ces idées, Nash. Mais pourquoi pas? Attends, je vais faire le sondage. Je sens que tout le monde va dire oui, relève le défi. Évidemment, ça va faire une séquence culte. Mais l'idée de me maquiller. Attendez. En fait, j'ai pas. Bulletin météo qui dit quoi? Merde, il fera beau, dommage. Oui, dormir. Je sais plus, j'ai mis en vente des trucs ou pas? Oh! Attendez, il se passe un truc. Je fais ton sondage après, Nash, hein, je t'oublie pas. Avec la perruque de blonde, ouais. Oh, une explosion a été entendue pendant la nuit. Il y a un truc qui a pété encore dans le village. Putain, c'est fou! Oh, il y a de la récolte à faire. Attendez, je vais vous mettre. T'es taré. Alors attends, l'intitulé c'est je propose que ça je maquille. Des jeux Barbie. Oh, il va falloir que je trouve tous les jeux Barbie en abandonware. Mais ouais, pourquoi pas. C'est une idée qui est pas déplaisante finalement. Eh chiche, si je fais la journée là, je vais essayer de prendre une voix féminine. Je vais m'éclater la voix, mais je pense qu'on va beaucoup rire. Ce serait. Eh, j'aime bien ton idée, Nash. Franchement, je l'aime bien. Alors, je pense que vous allez à 100%, vous allez dire oui. Oh, t'as de ces idées, Nash. C'est pas croyable. Allez. Je vous laisse 10 minutes. Hein. Courez pas sur votre clavier pour donner votre vote. Je prends toujours la largesse de la durée maximale. On n'est pas là pour courir. Voilà, vous avez 10 minutes. Est-ce que vous êtes pour à ce que je me travestisse un jour complet et que je joue à Barbie? Voilà, des jeux Barbie. Je suis sûr que vous allez dire oui à 100%. Mais franchement, quelle idée. Bref. Aïe, vous êtes terrible. Bon, attention, j'ai une récolte à gérer. J'ai une récolte à gérer avec du houblon. Sacré Nash. Mais l'idée me plaît en plus. Je dis pas non à l'idée complètement folle. C'est pas pour me déplaire. Je trouve que c'est très drôle sans que ce soit contraire à la morale et au bon goût. C'est bien. Franchement, je trouve que. Attendez, je me reconcentre sur le jeu. Il faut que je garde un melon pour Démétrius. Donc je vais ranger. Merde, c'est pas mon coffre. Je vais ranger les classes à étoiles. Je vais revendre tout de suite les melons classiques. Pardon, là, du coup je suis en train de presque roter ma boisson qui est de l'aphrodisiaque, là, que vous disiez la semaine dernière.
je carbure encore au, la racine, c'est de, j'allais dire de l'eucalyptus, pas du tout, c'est de la racine de gingembre. Comme on dit, effectivement, c'est horrible avec l'âge, ça ne s'arrange pas, c'est pas rassurant. Alors, houblon, j'ai arrosé le houblon. Je sais pas si je l'ai bien arrosé. Merdoum ! J'arrive pas à descendre dans le... Je suis mort de rire. Ah là 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 là, Nash, c'était terrible. Ah ! Il y a Zeus qui me rappelle que je dois remplir sa gamelle. Merde, du coup, j'ai plus de graines, moi. Oh, le dimanche. Merde, j'ai déjà arrosé. Il est ouvert, Pierre, un dimanche, pour les graines. Parce que, est-ce que j'ai un truc qui pousse en 7 jours ? Pas sûr. Pas sûr. Ou alors, je vais replanter encore des tournesols qui fonctionnent également en automne. Je sais pas. On va voir. On va voir. Qu'est-ce que... Alors pardon, je lirai dans le chat à la fin de la journée. Là. Je suis concentré dans mon dernier sprint de dernière journée. Merde. Bravo, j'ai arrosé de la terre qui est même pas... Merdoum! J'ai déjà plus d'eau dans l'arrosoir. Oh, j'hallucine. 2005 lingots de cuivre pour améliorer le, l'arrosoir. Donc c'est abusé. Eh, je suis en train de repenser aussi. Il y a le vendeur avec la calèche là qu'on va dans la cueillette en bas. Vers la rivière. À un moment, il y avait le gars avec sa calèche et son cochon déguisé. Parfois, il vend des trucs vachement rares hors de prix, mais... Rien ne m'interdit de lui rendre visite. Faut pas que j'oublie celui-là. C'est malin, hein, Stardew Valley. Il y a plein, plein de trucs. Hein. Il y a vraiment l'embarras du choix. Donc, normalement, j'ai... Ah oui, le chien. J'ai oublié de donner la gamelle. Le pauvre. Qui crève pas de chaud. C'est pas comme si c'était l'été. Je vais vendre les melons. Merdoum. Merde, comment je fais? C'est pas la bonne touche. Ah oui, c'est comme ça. Je vais vendre le petit piment, le reste je vais me le garder. Je dépose. Il est pas midi, j'ai pas beaucoup d'énergie, qu'est-ce que je fais? Je vais aller miner, je vais reprendre la pioche et puis... Enfin non, l'épée, pardon. La pioche je l'ai déjà. Et je vais me barrer dans la mine. Je réfléchis. Merde, je voulais voir Pierre, mais pourquoi je voulais voir Pierre? Je sais plus. Ah, s'il n'y avait pas des graines. Bon, tant pis, je vais passer par là, je vais aller voir Pierre. Voilà, c'est des hésitations qui me font perdre quelques minutes. J'ai fait un coup d'arrosoir dans le plan d'eau. Oui, c'est possible. C'est possible que j'ai merdé le geste. T'as raison, Jay. Je suis bien content de ne pas avoir de cam. Ouais. Un jour, peut-être. T'as un micro. Je pourrais te rendre partiellement l'appareil et un jour te proposer, à défaut de t'imposer, d'avoir une voix efféminée sur ton direct toute la journée. On n'en est pas là, mais c'est une possibilité. Mais hé, je rigole et je fais n'importe quoi. Oh, mon Dieu, je suis en train de me perdre dans le village alors que je suis en train de charrier Nash. Bien fait pour ma gueule. Non, c'est chez Pierre que je vais aller, là. Faut que j'arrête de me promener. Oh, je perds bêtement mon temps. Merdoum, il est ouvert. Les graines, allez, on se concentre.
Alors j'ai dit quoi? Été, automne. Et trop tard pour le melon. Trop tard pour... trop tard. Ah! Poivron. Ah, bah, c'est piment le poivron, non? Attendez. Ah oui, le poivron, c'est le piment. Ah, le blé. C'est vrai que j'ai pas fait de blé. Ah, planté en été ou en automne? 4 jours. Ah. Le blé, je serais peut-être tenté de faire, vous savez, un nouveau champ à labourer. Ouais, mais ça ferait beaucoup d'arrosage. Oh, je suis tenté à faire du blé. Ou des radis. Des radis, je peux encore faire des radis. Non, mais il faudrait que je pense à... Dommage pour le pavot. Fleur d'été non plus, ce sera l'année prochaine. Houblon, j'en ai. Graines de maïs. Plus tard. Tournesol, ouais, ou automne. Non, je vais... Oh là là, qu'est-ce que je fais? C'est combien le tournesol? Oh, c'est cher. Oh la vache. Le tournesol, mazette, ça coûte une blinde. Non, je vais faire les radis. Les radis, j'en fais quoi? J'en fais 400. Ouais, enfin, j'en fais 400 en pognon, ça veut dire 10. Ouais, je vais pas trop investir. Je vais attendre que l'automne arrive à la fin de la prochaine semaine, là, dans le futur. Et je verrai ce qu'ils me proposent à l'automne. On avait une idée dans la maison communale, là. Il y avait des citrouilles, justement, d'Halloween. Il y avait citrouilles, je sais plus quoi, là. Il y avait des courgettes, je crois, en automne. Ouais, ah merde, j'aurais peut-être dû prendre plus que 10, en fait. Ah, je suis un ego. Je retourne en racheter. Eh, mais non, mais attends, mais j'en ai dans mes coffres. Attendez. Dans les cadeaux que j'ai reçus, là, j'ai pas reçu des graines de radis, moi. J'ai un gros doute. C'est quoi, ça? Ah non, c'est des graines sauvages d'été. Attendez, j'ai... C'est quoi? Chou-fleur, printemps, c'est mort. Melon, été, c'est mort. Non, c'est... Merde, je pense que c'était des radis, mais non. Non, j'ai rêvé. On va aller un peu dans la mine, mince. Faut pas que j'ai trop de trucs à arroser non plus. Ah! Améliorer mon épée. Mon épée. Alors attendez, l'épée, c'était pas chez le forgeron. Parce que c'est le mec qui a le bandana de pirate. C'est le mec qui est près de la mine, c'est logique, c'est l'aventurier. J'ai pas regardé mon point d'interrogation là qui clignote, c'est quoi? Initiation, vous avez réussi les 10 slimes, vous pouvez rentrer dans la guilde des aventuriers, voilà, c'est logique. Recherche agricole, Démétrius a besoin d'un melon, merde! Ah, en plus il habite là, j'ai pas pris de melon. Tant pis. Sans avis. Ah ouais! Ah, finalement, vous êtes pas enthousiaste. Oh tiens, j'aurais cru que vous étiez à fond dedans. Je me travestis, je joue à Barbie un jour entier. Un oui et 3 sans avis. Ah, vous me surprenez. Ah, ça vous empalerait pas le délire, tiens. Bon, bah, je suis navré, Nash, mais c'est mal engagé, ton... On verra. Bah, je t'avouerai que je vais pas investir, moi, dans du maquillage. J'en ai pas, du maquillage féminin. Mais je vais... Honnêtement, Nash, je demanderai quand même à ma frangine ou à ma nièce. Parce que j'ai aucune idée du tarif. Ça doit coûter cher, la maroquinerie. Ça doit... Je présume. Mais... je sais pas, je poserai la question... je voulais faire quoi? Le melon. Le melon pour Démétrius. Il est où le melon? Il est dans le truc rose. Ah, il faut que j'en mette aussi dans la maison communale. Hé, c'est ça que je vais faire. Attendez, je vais faire la maison communale.
Au lieu de faire la mine, je retourne dans la maison communale parce que ça me déverrouille des trucs. Piment. Mmh. Ah, il veut des tomates aussi. La défaite partielle du joueur français Nashevman. Alors, pas lourde. Attendez, il clignote quand il y a plusieurs. Ça, il en veut pas. Ça, il en veut. Ah! Ah oui, les cailloux, mais j'en ai pas assez des cailloux. Moule, il en veut. La coque, il en veut. Ah, le crabe, il le veut. Voilà, j'ai déverrouillé des trucs, moi. Ça, j'avais déjà fait, non? Ah non! Ah! Attendez, je vais les regrouper, j'en ai plusieurs. Ça aussi, j'avais pas. Ah! La carte des cavernes, il veut aussi. D'accord. Je vais faire rapidement le coffre vert aussi. J'ai peut-être des trucs dans le coffre vert que la maison communale veut. Ah! D'accord, il veut ça. Il veut le poireau. Oh la vache! Oh, je déverrouillais des trucs là. Il y a beaucoup de choses qui clignotent. Le piment fort, je crois que je l'avais pas. Ah si, j'en avais du piment, merde. Pardon, celui-là je l'avais isolé parce qu'il est... Il est... Enfin, ils sont de haute qualité. Après, il y avait... Ah oui, la gelée. La gelée, je m'en souviens. La gelée, je m'en souviens. Démétrius, la maison communale. Démétrius, la maison communale. Et accessoirement, allez voir l'aventurier pour l'épée. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Bon app, à plus. Oh, l'autre McDo. À plus, CJ. Oh, il y a une polémique avec McDonald's. Leur fameux beefsteak, j'allais dire. Leur fameux hamburger américain, le Big Mac, là. Il y a eu polémique par rapport au coût, à l'inflation. Il paraît qu'il est beaucoup moins garni ou qu'il a perdu en taille. Si je dis pas de bêtises. Le prix est le même, mais il y a moins à manger. Ça m'étonne pas du tout. C'est triste, hein. C'est triste. Mais non, mais c'est pas elle que je vois. Enfin, si, en même temps. Mais... Ah, elle vend des pierres et du bois, tiens, non. Sapin taillé, canapé marron. Oh, calendrier. Ah, il faudra que j'en achète un jour pour pas louper les anniversaires. Table de travail, fabriquée sur la table de travail dans l'accès aux matériaux dans les coffres adjacents. Quel est l'intérêt? Ah, ça évite d'avoir le truc dans l'inventaire. Ah, c'est pas mal. Téléphone, peut-être utilisé pour vérifier. Oui, ça, je l'avais vu chez Manon. Le téléphone, elle l'avait installé, Manon. Elle faisait tout à distance avec le village. Ça, c'est intéressant, je l'avais vu. La télé cathodique, la petite télé, ouais. La plante, la bûche, le rondin, la cheminée. Oh, le poêle, le lit. Oh là là! La vache, elle en a des trucs, je m'en souvenais pas. Non, c'est Démétrius, il est où? Oh, merde, il est pas dans ses appartements, il est dehors. Vous allez voir, mais j'ai pas le droit de rentrer, je suis pas intime avec eux. Bah oui, je suis pas chez les proches. Marou, Robin, Démétrius, ça mène à où ça? Ah, c'est la cuisine familiale. Merde, Démétrius, il est dehors. Je vais aller à la maison communale. Ah bah, elle aussi... C'est quoi, ça? Ah, c'est le petit jeune! D'accord, c'est leur fiston. D'accodac, c'est le fiston. Attends, il est où, ton mari? J'espère que Démétrius ne fera pas exploser la maison avec ses expériences scientifiques. Elle est... Oh là. Je ne sais même pas sur quoi il travaille. Je pense que ça a quelque chose à voir avec les plantes. Oui, bah, les champignons! Merde, je lui présente mon épée, moi, n'importe quoi. La maison communale, elle est où? Je sais plus. Elle est en bas. Mais elle est là. Hein. Il est pas à côté, d'ailleurs, Démétrius. Je crois qu'il flâne par là, non? Oh, Démétrius! Merde. La fontaine. Tiens, c'est bizarre, les cailloux. Les cailloux semblent se distinguer. Merde, il est pas là. Ah, merdoum! Non, il y a l'autre qui fait son yoga, là. C'est pas grave, je vais aller dans la maison communale et je vais déposer les objets. Alors, par contre, je sais plus du tout où c'était.
Parce que comme maintenant il y a plusieurs plateformes. Alors celle-là, oh là là, à chaque fois faut tout rebrasser. Non, ça peut pas être hiver. Exotique. Ah oui, la carotte des cavernes. Cool. Ah oui, j'ai pas regardé d'ailleurs l'arbre que j'ai saigné. Construction. Non. Cueillette d'automne. Pense pas, ce sera pendant le à la saison suivante. Exotique, c'est fait. Printemps. Oh! Mais oui, j'ai le poireau. Oh, génial! Collection terminée. Réparation du pont. Sérieux? Ah non, pas tout de suite. Faut avoir tous les trucs d'ouvert. Récompense des graines de printemps. Bon, bah c'est bien. Ah, il se passe quelque chose. Et je bois un coup le temps de l'animation. Oui, il y avait un truc là. Merde. Ah non, c'est des melons de qualité. Oh, les melons de qualité, ils sont pas prêts d'arriver. Ah, là, il y avait un petit melon. Melon. La tomate, le piment, je les ai. Oh, il va me manquer qu'un truc. On dirait une myrtille. Je crois que c'est ça, d'ailleurs, le truc bleu, là. Oh, trop bien. C'est myrtille, ouais, c'est ça. Génial. Artisan. Ah bah c'est la gelée. L'artisan c'est la gelée. J'ai rien d'autre normalement. Printemps. Je crois que j'ai rien. Non. Bon, animal c'est mort. Automne. Bah non, j'ai pas encore vécu l'automne. Je peux rien avoir. Pas mal. Donc lui, il récupère son dû, là, le Ginimo, là, je sais plus comment il les appelle. Ah, les poissons. Ah si, c'est une dorade, ça. C'est une dorade. L'autre, je la reconnais pas, donc je l'ai pas. Poisson d'eau douce, la carpe, elle va là. Non, j'ai pas... Je vous lis après dans le chat, hein, pardon. Ah, les crabes. Oula, il y a beaucoup de choses ici. Attendez. J'ai le crabe. J'ai l'excellente coque. J'ai... Oula, mais je vais tout faire. J'ai l'huître. J'ai le la palourde. Et j'ai le petit coquillage. La moule. Oh ouais. Trop bien. Trop bien. J'ai gagné quoi? Une canne à pêche. Oh. Un casier à crabe. Placez-le dans l'eau, remplissez-le d'appât. Ah bah c'est bien, j'en ai acheté. Et vous vérifiez le lendemain si vous avez attrapé quelque chose. Fonctionne dans les cours d'eau, les lacs et la mer. Oh, j'en ai trois en plus. Waouh. Sympa. Alors là, j'ai le poisson lune. Merde, pardon. J'ai le poisson lune et j'ai pas les autres poissons, visiblement. Là, j'ai... Rien. C'est des poissons de mer, je crois. Non, même pas. Ah si, le petit. C'est une sardine. J'ai cru que c'était un hareng, moi. Sardine, et c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Eh, pas mal. Ah bah, encore une animation. Oh, c'est pas vrai. Panneau d'affichage, amitié. Ok. Alors, colorant. Ah, champignon, ça peut s'arranger. Oh, tournesol. L'oursin aussi, j'ai. Oh là là, faut tout récolter. Champignon, je l'ai. Le poisson, je sais pas c'est quoi. C'est quoi? C'est une chevette. Oh, j'en ai, je crois, non? Paquet du chef. Oh, on dirait du sirop d'érable, c'est ça? Ah, j'en aurai à terme. Oh la vache. Mais oui, il y a des plats sophistiqués, il y a des sushis, il y a des omelettes. Fourrage. Ah, fourrage, je dois en avoir. J'ai un peu de blé. C'est quoi ça? Résine. Paquet d'enchanteurs. Résine de chêne. Du vin. Une pâte de lapin et une grenade. C'est pas un grenadier que j'ai planté dans mon salon, j'allais dire. Dans mon jardin, je crois.
Eh ben dis donc, celui-là je sais plus où je l'ai fait ou pas. Wagonnet. Oh ! Wagonnet réparé. Ah, géologue, c'est des minerais. Oh les salopards. Oula. Alors ça c'est des butins des 99 slimes. Des ailes de chauve-souris, de l'essence solaire, de l'essence du vide. Ça va être des butins de boss. Je suis pas prêt de les avoir. Oh là là! Mais c'est énorme! Pardon, du coup, vous voyez, j'ai pris du retard. Il est 20h15. Ah, te v'là, toi! C'est bien de faire une pause de temps en temps. Bouge pas, j'ai un melon à me donner. Merde, je me trompe de touche. C'est parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour mes recherches. Il sera difficile de pas le manger, mais c'est beaucoup. Bah, je te donne le deuxième! Merci, c'est un spécimen très intéressant. Voilà, il est content. Eh ben, tu vas pouvoir manger hein, un des deux. J'imagine que ça va être difficile quand on travaille dans une ferme. Ouais, bah c'est un gros boulot. Au moins en hiver, tu n'as pas à te préoccuper des récoltes. Mais non. On a vu qu'il y avait des trucs en hiver. Enfin, j'en suis pas là, mais... alors attends, j'ai le point d'interrogation... point d'exclamation. Oh, de la thune. C'est bon, je suis récompensé, il m'a donné de la thune. Élevage d'animaux, le short du maire. Alors, je sais pas où est son froc, il doit être sûrement dans la mine. Plus profond dans la mine, c'est le niveau 40, c'est ça. Pas ma soif, la bière. Oh, faut que j'apprenne à faire de la bière. 10 slime, la guide des aventuriers. Oh, il est trop tard. Ouais, tant pis, j'irai un autre jour voir l'aventurier, parce que vu l'heure dans le jeu. Mais vu l'heure tout court. Merde, c'est pas là mon chez moi. Je vais abréger ma partie de Stardew Valley là. Non, j'ai bien joué. Oh, c'est bien le luminaire, le lampadaire qui s'est allumé tout seul. Ouais. Oh ouais, j'ai des paniers à crabe aussi. Oh, faudrait que je teste ça. On fera ça une prochaine fois. Mais je suis content. Je trouve que j'ai vachement bien joué. Qu'est-ce que je fais? Je vais les vendre, mes trucs. Ça, je vends les piments, et puis je vais vendre les tomates. Le reste, je vais le garder. Peut-être les poissons, je vais peut-être vendre les poissons, du coup. Enfin, ceux-là. Parce qu'apparemment, ils ont l'air communs, puisque j'ai une aisance à les pêcher. Alors, les graines, je vais le poire aux graines, je range là. Le truc de grotte, je vais ranger là. Le reste, c'est la mer. Le reste, c'est le coffre bleu de la mer. C'est là-dedans. Je vais ranger l'épée, parce que je pense pas. Par anticipation, les prochaines fois, j'aurai quoi? J'aurai... Ah, une journée normale, ouais, bon... Merde! Mon téléviseur! J'allais l'embarquer! La Reine des Sauces! Allez, un dernier conseil. Bonjour, c'est moi la Reine des Sauces, je suis ici pour vous apprendre une nouvelle recette de mon livre de cuisine secrète qui permettra de mettre dans la bouche. Le plat de la semaine est... Maquis! Les saveurs délicates de la mer scellées dans un nuage de riz épais. Alors, il faudra peut-être que j'apprenne à cultiver le riz, mais il faut une rizière pour ça. Peut-être une pointe de wasabi... Oh là là, j'en sais rien d'en parler. Oh, comme j'aime les sushis. J'ai appris à faire des maquis. Tant mieux. Eh ben, c'est cool, j'ai vachement bien joué. Ouais, hein, j'ai bien avancé, Olive. Merci. Hein. J'ai eu beaucoup de progression de minage et d'agriculture et de pêche, je crois. J'ai quasiment tout progressé. Oh, 6000 ! C'est quoi le détail ? 17 melons, 19 piments, 12 tomates. Waouh, les melons, ça rapporte. Oh la vache. Trop bien. Oh, je suis content, je vais pouvoir faire des investissements la prochaine fois que je jouerai. Ouais. Les premiers 10 000 de thunes. C'est trop fort. Alors attendez, je raccroche la manette. Ah bah c'était bien. Je suis content comme tout. J'ai pas quitté proprement le jeu, j'étais vilain, j'ai fait Alt F4. Mais je sais qu'il sauvegarde. Webcam, on va passer au bibi, les gens. Les bibis!